pour dépétrifier les habitants de Palaiseau. Ouais, il y a un truc qu'il faut qu'on identifie aussi, c'est quel jour elle a la pleine lune, les loulous. Parce que ce serait con qu'on loupe le jour de la récolte du sang de loup. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, le jour de la pleine lune, Enfin, je dis ça à mes compagnons, mais je pense qu'il faudra je qu'on pense cuisine que Clovic. il faudrait voir un petit peu. Après, Rennes, en tant que rôdeur, je pense que si tu vois, si tu as fait gaffe à comment était la lune cette nuit, tout ça, tu peux savoir. Ah bah ok, j'essaye de savoir. Tu fais un test d'intelligence, si tu fais un, ça ne marchera pas, mais en principe, tu devrais arriver à savoir. Ouais, ça suffit. Tu dirais que. Alors. La pleine lune, tu dirais que c'est donc là dans 4 jours. 4 nuits, du coup. Dans 4 nuits, ok. En comptant celle, enfin en comptant, ouais, c'est Si on quatre compte nuits qui pas arrivent quoi. Voilà, quatre nuits qui arrivent. ce jour-là, qu'on considère que c'est le matin, dans 4 nuits. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et la dernière fois, vous étiez parti sur plein de pistes, tout ça, donc je ne sais pas du tout ce que vous vouliez faire aujourd'hui. Bah, il me semblait qu'on avait un cimetière à aller visiter Oui, et en pour les fait on a cendres du magicien. voilà et en fait on a entendu des cris salaces et des coups de fouet un peu bizarres et du coup on a été à l'auberge du coup pour voir. On a dévié On a dévié, de ouais, mais notre initialement on objectif. allait au cimetière récupérer les cendres du vieux magicien décrépit. Ok. Tout flétri. Donc là, bah, ça tombe bien, vous êtes juste à côté finalement, c'est pas si mal. Justement, voilà comme on est à côté. Voilà, donc l'entrée du cimetière, en fait, est juste en face de l'auberge du Coq Doré. Il n'y a pas de grille. De là, quand vous regardez, vous voyez qu'il y a un mur d'enceinte et puis qu'il y a une large ouverture juste en face de ce qui vous semble être un temple. Ok, est-ce Là, qu'il a l'air d'avoir... j'estime que vous regardez par la fenêtre de l'auberge pour l'instant. Ah d'accord, ok. Pas âme qui vive pour l'instant, pas de mouvement. Fais-moi un test de sagesse. Tu regardes par la fenêtre? Ouais. Oui. Hop. Non, rien en tout cas. Ok. Rien qui bouge, les gars, c'est bon. C'est safe, on peut y aller. C'est parti. Bon, je suis. Je vous laisse la carte Non. pour que vous puissiez vous déplacer par rapport au. Voilà. Là, en t'approchant, Reine, tu vois que le temple, en fait, il y a une façade qui est toute ouvragée en pierre sculptée assez claire, bien entretenue. Ouais. Avec, y a plein de statues tout en haut du bâtiment, au niveau des gouttières. Ouais, d'accord. Ok. Y a pas vraiment de porte, c'est un grand porche. Encadré par 2 colonnes, et de là où tu es, tu vois déjà l'intérieur du temple avec des colonnes de marbre blanc. Ok. Et des statues Il y a des statues aussi de personnes. À l'intérieur, tu vois, il y a des statues, tu penses qu'il y a des statues de dieux de chaque côté. Après, tu t'y connais pas forcément en divinité, mais. Ok, bah je fais signe à mes compagnons que ça a l'air safe, donc on s'avance Moi, je vers vais essayer de voir ce que c'est comme divinité. Alors, mon cher prêtre, je ne te ferai pas l'affront de te faire un test. Hein. Je suppose que tu connais très très bien. Donc, tu regardes, tu reconnais C'est qui une les statue dieux? d'un dieu qui tient un espèce de cadran solaire à la main. Tu reconnais tout de suite Trénaire, le dieu du temps et des ancêtres. Et de l'autre côté, tu vois un autre dieu qui tient un livre à la main et une plume de l'autre côté. Tu reconnais Solar, le dieu de la lumière et du savoir.
Bon, les Je grands dieux, t'expliquerai j'imagine. ça à mes compagnons pour les instruire un peu. Alors, c'est quoi comme dieu? C'est quoi? Bah, ce que vient de me dire le MJ. Ce que vient de dire la voix off. Putain, RP un peu là, merde. Pardon. Vous rentrez dans le temple, c'est ça? Oui. Les armes Ok. sont sorties hein, pour ma part. D'accord, avec prudence alors. Tu vois, il y a un grand hall avec une dizaine de colonnes de marbre blanc de chaque côté. Les deux statues sont au fond, placées de chaque côté d'un petit autel. Un petit autel en pierre. Et quand tu t'approches, Ren, tu vois que... Au fond, il y a une petite alcôve et un petit passage qui doit mener à une deuxième pièce à l'intérieur du temple. Ok, bah je rentre et je regarde déjà s'il y a quelque chose sur l'autel en question. Sur l'autel principal, non, tu vois rien. Mais par contre, quand tu t'approches de la pièce du fond, tu sens une odeur de mort. Tu vois des mouches. Tu vois par terre, il y a du sang. Il y a des traînées de sang même. Ah, Et au je. sol, tu vois des espèces de griffes et de colliers à pointe dans un coin. Ça te rappelle ce dont sont équipés les écorchés. Et il y a un deuxième autel tout au fond de la petite salle. Ok, donc je me retourne auprès de mes compagnons, je fais des écorchés Je dégaine mes armes et mon bouclier. Ino et Bob, vous êtes rentrés aussi? Oui, je suis en train de prendre Oui, des oui. Ren, Parce que oui, ça va. tu remarques, en fait, tu croyais que c'était un hôtel, mais en voyant de plus proche, de tout au fond sur la salle, tu vois, tu penses que c'est un cercueil ou alors une dame de fer. T'arrives pas bien à voir, c'est une espèce de grosse boîte noire entrouverte. Et tu penses que l'odeur que tu as sentie en arrivant venait de... Vient de là-dedans, hein, c'est ça? Ok, bon, bah. Je m'approche prudemment de cet objet. Et tu vois que c'est un énorme cercueil de métal noir. À l'intérieur, tu vois un cadavre qui est coincé encore dans cette espèce de boîte. Il bouge ou pas? Non, tu le vois pas bouger. En fait, tu vois que le cercueil a une forme de... T'as le cadavre qui est... Comment dire? Il y a des mâchoires dedans avec comme Non, un. il y a des tas de tiges de fer, des Ouais. nombreuses piques tout à l'intérieur, et en fait, le cadavre, il a été enfoncé sur ces piques. Sympa, ouais. Ok. Et à la place du cœur, il n'y a rien. Ah, ils ont retiré le cœur. Ah bah, sympa. Ok. Vous Bon pouvez bah. me faire un test de sagesse si vous voulez, ceux qui sont rentrés. C'est l'odeur, Ah, heureusement c'est que un Bob est dé. là. Ah, on va reparler. Bob le sage. Non, juste que Bob, l'odeur, c'est l'odeur de ses chaussettes, donc il a l'habitude. Ah ouais. Bob, tu Comment ce remarques deux matin? choses. Tu remarques qu'il y a des. Autour du cercueil, il y a des traces de pas. Tu dirais quelqu'un allez, qui chausse du 38 ou du 39, d'après les empreintes et d'après ta Elle est détection. typiée. Et comme s'il y avait quelqu'un qui était passé tout autour de cercueil pour faire sans doute un sombre rituel. Et tu remarques aussi derrière ce cercueil une petite cache avec un coffre. Le coffre. Et Ah, le coffre, ça c'est intéressant. tu sors un petit coffre. Un petit coffre ouvragé. Alors là, tu vois que c'est pas du tout le même style que le cercueil. C'est cerclé de cuir avec des clous dorés.
Le coffre est en bois. C'est pas très très grand, hein, comme ça fait à peu près 50 cm de long et de profondeur, une vingtaine de centimètres. Ça a l'air magique. Il est fermé ? Qui est fermé, oui. Bah, magique, toi, Reine, t'auras du mal à savoir. Non, je me tourne vers Rino. Hey, il y a un coffre là, il est peut-être magique. Bon, du coup, je me rapproche à sentir si la breloque se met à chauffer. Oui. Je fais gaffe, les gars, parce que. Tu détectes... la breloque, elle chauffe. Hein. Ah. Tu détectes une forme de magie, ouais. Alors, est-ce que c'est une mesure de sécurité au cas où des pillards viendraient se servir C'est ce que je me posais. Je serais vous, je serais prudent. Bon, Bob, tu veux l'ouvrir ? Je voudrais poser la breloque sur le coffre. Putain, je me suis pris 3 décharges électriques dans la... Non, c'est pas des... Non, je me suis pris 300 alors, dans la tour. C'est pas un petit coffre qui va faire peur. Quand tu t'approches, t'as l'impression que ça vient pas du coffre, mais de ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah voilà. Et bah, je vais l'ouvrir. C'est moi le spécialiste. Sois prudent quand même, parce que ce qui est dedans, elle est assez puissante pour que ça passe à travers le... 19. Tu peines pas à forcer la serrure et à l'intérieur tu vois des bijoux, une bague, et Atémis te confirmera qu'il y a une émeraude, un bracelet, ça ressemble à un bracelet de force noir avec un motif en filigrane en or dessus et un collier torsadé en or massif. Oh, t'es joli tout ça. Vaut des sous. Ça vous dissout tout ça. Bon bah. Et Ino, oui, t'es sûr que ça vient de. Tu sens qu'il y a un des objets qui est magique. De ce qu'il y avait dans le. Eh bah, vas-y, cherche l'objet magique. Moi, je prends le reste. je vais regarder le bracelet, vu qu'il a l'air quand même assez finement ouvragé. Tu me fais un test d'intelligence ? Ça pas roulé, c'est nul. Ouais. Tu sais que c'est effectivement le bracelet qui est magique. T'es pas trop trop sûr parce que c'est des runes qui sont très anciennes. Tu penses que c'est un bracelet de force. Je le prends entre mes mains. Je fais. Ça a l'air d'être lié à la force, ce bracelet. Alors bon, moi j'en vois pas l'utilité, mais. Si l'un de vous est intéressé, je le tends à qui veut le prendre. Je pense que Atémis, c'est celui qui est le plus au corps à corps. Tout à fait. Après. Atémis, tu prends... Alors attends. Ouais. Je vais faire du bêtise en te donnant le bracelet. Ah, Atémis, si tu jettes un coup d'œil, tu sais que la bague, ça vaut bien 100 pièces d'or et... Le collier, 100% de plus. Le bracelet, bon, c'est magique, t'es pas trop sûr, mais au moins, le tout, tu l'estimes à 300 pièces d'or le tout. Je les garde. Et Bob, tu files le tout à Thémis ? Tu files la boîte à Thémis ? Non. Non, bah pourquoi ? C'est un nain, je lui fais pas confiance. Bah si, justement. Il n'y a rien de mieux qu'un nain pour garder un trésor. Non, mais tu vois, les nains, si tu leur donnes de l'argent, subitement, après, ils l'ont perdu, on ne sait pas comment, il a disparu. Après, mais Atémis, ce n'est pas n'importe très quel bien, nain. Vous partagez les trucs à porter, hein, s'il y a besoin. Ouais. T'inquiète pas, je te laisserai des trucs lourds la prochaine. C'est ça. de l'albâtre. Ok, pour partager. Je te laisserai des tonnes d'albâtre à porter. Mais ça pèse lourd le battre. Ok, tu le dis. Alors, oui, donc les autres objets, qui c'est qui les prend ? Bah, Atémis. Enfin, moi je. Atémis, alors attends. C'est plus en sécurité en ma personne. Ouais, Atémis, il a plein de poches. C'est ça. Alors, Atémis, le bracelet de force. Il protège les objets passifs. Voilà, donc Atémis, tu vois que quand tu portes ce bracelet, ça te rajoute 2 points de force. Alors Atémis.
je le mets. Tu peux rajouter directement la force. On peut pas mettre. Non. Ok. Bah, mets-toi quand même dans. Tu sais, dans protection, mets-toi que tu as le bracelet entre parenthèses, mets-toi force plus 2. Si jamais à un moment donné tu devais le perdre, voilà. Et tant que j'y suis, je te mets la bague. Et le collier, par contre, je regarde si c'est identifié. Ah non, t'es pas une deuxième fois. Donc, collier et la bague. Ouais, normalement, c'est tout identifié. Hein, tu me dis hein, si jamais ça ne l'est pas. Mais... Voilà. Donc, vous remarquez qu'au fond du temple, il y a une deuxième sortie, une porte. Ok, bah on y va. Alors. Ouais. Donc, de l'autre côté du temple, vous voyez effectivement une sortie. Vous me faites un test de sagesse ? Mais bien sûr. Vous voyez... un bâtiment là. Ah bah tout de suite quand tu pues moins. Hein. Alors, ce Athémis, t'es pratiquement sûr d'avoir vu au moins un troll de pierre au fond du cimetière. T'as vu une grande forme bouger et tu penses que c'est un troll de pierre. Bob et Ino, vous confirmez. Ah, je vais vous le montrer celui-là, vu qu'il est. Ah, c'est pas ma vision qui me jouait des tours. Ravi de savoir. Donc les trolls de pierre, les mêmes que ceux qui tiennent en laisse d'habitude les écorcher. C'est ça, celui que j'ai envoyé nager et qui n'est jamais revenu. Ah bah ça c'est bien. Ils aiment bien nager ces trucs-là. Hein ouais, c'est cool. Hein. Et c'est marrant parce qu'il y a de l'eau pas loin en fait. Je vous l'ai mis sur le plan, juste là, devant le bâtiment. Tu vois un troll de pierre. Donc nous, techniquement, enfin, je te montre juste. C'est ça. C'est la partie derrière. Ouais, bah, d'accord. On est là. Coucou. Donc vous pouvez voir quoi ? Ben si tout ça, vous voyez. Non, il y a l'arbre, donc vous voyez. Ça, voilà. Quand tu t'approches à Thémis, tu entends un deuxième grognement et tu en vois un deuxième qui était caché derrière le bâtiment. Groumph, j'étais caché. Qui vient. Et qui commence à grogner en vous apercevant et à lever leurs espèces de massues de pierre en essayant de vous intimider. Tandis que je les vois, je préviens. Mes collègues, je sors mes armes et je charge en direction du. Ah là, c'est Ok, Athémis, c'est toi qui as l'initiative, comme c'est toi qui les as vus. Et après, qui c'est qui avait vu Bob après ouais, c'est ce coup-ci, c'est Ren qui agira à la fin. On va suivre vos tests de. Athémis, charge sur l'esclavagiste de pierre. Alors, il faut que je vérifie un truc. Ouais, c'est bon, c'est mieux. Je suis bien en bouclier. Ouais, c'est bon. Du coup. Je sais pas si j'ai un bonus. J'ai un bonus de dégâts du fait d'avoir chargé. Il s'est passé quoi là ? Alors, il y en a un, Ren ne réagit pas. C'est Bob qui est tombé, je crois. À chaque fois que je touche, ça va faire ça. Yeah ! Alors, Athémis, tu me disais quoi ? Si tu pouvais faire une charge, c'est ça ? Quand je charge, j'ai plus de dégâts ou pas ? Mais toi, t'as pas la charge à proprement parler en fait. D'accord. Puisque c'est une capacité spéciale. Ouais, y a pas de soucis. Donc tu peux foncer dans le tas, hein, je te l'accorde. Après, soit tu tapes normalement, soit tu me dis tu charges pour le faire tomber. Mais enfin, bon, vu qu'il mesure 2m50, c'est toi qui vois. Bah si je tape dans les genoux, t'inquiète pas, il va t'en. Mais il n'y a pas de soucis. Ouais. Commence à sortir, à brandir. Après, il faudra ajouter plouf.
je mets pas trop fort. Vous me dites hein, si c'est trop fort. Qui c'est que... Alors, Atemis, critique, pof, sur le premier, d'accord. Ouais, ça marche. Tu l'avais visé, oui. Et... C'est quelqu'un bon de... Ino, t'as vu bouger sur le toit du temple aussi. Ah, mais il y a aussi un volatile sur le toit du temple. Regardez, puis je montre l'autre. C'est un truc que t'aimes bien, juste au-dessus de toi. Ah, c'est ce qui a failli me tuer la dernière fois. C'est ça. Youpi ! Oh, sympa. Atemis, est-ce que tu réitères ton attaque ? Ah oui, c'est vrai. Du médaillon. Exact, j'avais complètement... Ou un sort, hein. Enfin, t'as droit à une deuxième action, du coup, avec ton médaillon. Défoncer. Alors pendant qu'Atemis s'acharne avec succès sur la créature de pierre, vous voyez Ino lever la main le toit du temple. Je lui fous un revers de massue dans la tronche. Ah, tu vois qu'il y a des éclats de pierre qui tombent partout. Et après toi, j'avais dit c'est à Bob d'agir. Ino nous a averti qu'il y a la gargouille. Oui. On l'a vu. Oui, je vous ai montré du doigt. Où elle était. Bah dans ce cas, je vais lui tirer dessus à la gargouille. Avec les deux flingues. Normalement, ça devrait marcher si je fais comme ça. Juste ça a marché. Effectivement. Mais j'ai marche. Pas fait sur le truc. Ça marche, c'est pas grave, ça passe, tu peux faire les dégâts dessus si tu veux. Mais l'attaque est passée. Il y en a une, et la deuxième. Ah, donc tu tires deux fois de suite. Ouais. Là, tu vois, il y a ces espèces d'ailes et de chauves-souris qui prennent plein de petits éclats. Ça fait une jolie dentelle d'un côté, mais elle continue à vous fixer méchamment du haut de son toit. Et maintenant, c'est à Ino d'agir. Mais attends, ma deuxième action. Oui. Oh, oh, oh. T'as déjà tiré c'est un buisson, là, avec là, à côté. Ah oui, tu veux te cacher, c'est ça. Bon, et si c'est un buisson, oui, je vais sauter dedans et me cacher. D'accord. Pardon. Et à toi, Ino, alors. Je vais aller là. En fait, je suis désolée, hein, Eril. Je vais plus ou moins me servir de reine comme comme bouclier. Hey, derrière reine, d'accord. Ça, c'est ton adjectif, au niveau de la portée de l'esclavagiste 2, ça va ou je suis un peu trop loin? Non, c'est bon, tu peux. C'est bon. Du coup, c'est 2 mètres un carré. C'est 2 mètres un carré, hein, donc là c'est largement bon. Je vais lancer une injonction sur l'esclavagiste. Ah oui, c'est vrai que t'as déjà eu quelques succès sur ces esclavagistes. Et ouais, pourvu que ça dure. Alors. Fais-le sur le tout neuf. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est le 2, celui qui est ouvert. Il est malade. Alors. D'attaque magique pour toi et moi. Oui, ça marche chez nous. Du coup, je le fais en magie puissante pour augmenter le nombre de tours et je lui demande d'aller nager dans la rivière. Alors, attends que je reprenne l'autre. En direction. Comme l'autre, en fait. C'est vers. Dans la rivière. Ouais, dans la rivière. Puis il remonte vers le cimetière. À l'opposé de la tour grise. Alors. C'est bon, hein. C'est juste. J'essaie de. Ok. Pour. Donc là, vous entendez un gros plouf! Et après, vous voyez qu'il nage. Ouais, vous voyez le troll, donc c'était celui du fond, qui prend son élan, qui magnifique plat. Hop,
Hop, il vous entendait plouf. C'est vraiment des pros de la natation, c'est bête. Après, il faut savoir que par rapport à la rivière, c'est quand même à 2 mètres, 2-3 mètres en contrebas. Hein. Donc quand il fait plouf, il ne va pas remonter tout de suite, hein, même s'il mesure 2 mètres et quelqu'un. D'accord ? Ok. Donc lui, il part et il reste reine. Bam. Et après, on reprendra l'initiative normale. Ok, bah, je vois Ino qui vient de se gentiment se cacher derrière moi. Donc je vois que il y a la gargouille qui est au-dessus là, où Bob a déjà tiré dessus. Donc du coup je le tire deux flèches également de mon côté en mode avec ma capacité dans le mille en tir rapide. Ah oui, comment ça. Donc ça fait 8 et 14, ça fait 20. 6, c'est ça? Non, 8 et 14. Alors, non, 8 et 14, ça fait 6, 22. Ça fait 22. Force. Ok, ouais, ça passe sans problème. Sans poisse. Alors, tiens, tu vas te prendre ça, la vilaine. Plus ça. Toc. Ça marche. Et je balance la deuxième. Et c'est à partir où il est monté. Il est là. Vas-y, Wistiti. Wow, 8 sur le dé, donc 8 et 14, la même. Ouais. Hop. Allez. Tiens, Villata de pierre. Hop, et par contre, deux flèches de partie. Tu vois que la gargouille, en fait, tombe du toit. Ouais. À tes pieds. Ouais. Mais elle continue à bouger. Mais avec tout ce que tu lui as mis dedans, elle a perdu l'équilibre, en fait. Et elle est tombée à tes pieds. Ok. Donc, l'esclavagiste en face de Athémis prend son espèce de massue et essaye de t'asséner le coude haut en bas, peut-être un petit peu interloqué par la fuite de son collègue de l'autre côté. Il a tourné les yeux à ce moment-là, il n'a pas bien regardé. Il donne un grand coup sur le pavé juste à tes pieds, Athémis. Mais mec, reviens, on a déjà pris notre bain hier. La gargouille est sonnée, donc elle va pas passer à ce tour-ci. Et c'est à nouveau à Rennes. Là, je reprends les initiatives normales. Ok. Donc la gargouille, elle est à terre. Oui. Ouais, je vais pas dégainer mon arme, je vais juste me décaler un petit peu, faire un petit décalage. Et puis je balance une flèche sur la tête de la créature. Donc 26 pour toucher, donc je pense que ça touche. Tiens. Ah, c'est vrai que ça résiste bien ces petites bêtes. Donc voilà, puis comme j'ai bougé, bon, là j'ai qu'une attaque. Voili, voilou. Mais la gargouille est toujours. Tu vois qu'elle continue à bouger. Et petit à petit, tu vois qu'elle commence à avancer vers vous. Bob, à toi. T'as vu la gargouille tomber. T'es dans le dos de la gargouille. Alors, je recharge et je vais lui tirer dans le dos. Ah ah, tu. Elle ne peut pas te voir. Non, et Ren, la gargouille qui implose, des tas de petits bouts de cailloux qui partent dans tous les sens. Et juste à tes pieds, Ino, tu vois un œil de pierre qui a l'air de te fixer pendant quelques instants avant de devenir aussi inerte qu'un galet. C'est à toi, merci d'ailleurs. Quand même. Bien joué, Bob. Je me recache. Il tire bien quand même. Hein. Ah, mais quand j'aurai mes bombes, ça sera encore mieux. Ino, c'est à toi. Ah oui, donc il reste l'esclavagiste numéro 1. On va dégager sa massue coincée entre deux pavés. On va tenter l'injonction aussi, ma foi.
Ce serait dommage qu'il n'aille pas prendre son bain avec son copain. Ah. Alors, hop. Et je suis un peu plus convaincante que son prédécesseur, d'ailleurs. Aha ! Lui, il est plus motivé. Celui-là a la tête beaucoup plus stupide. Tu vois que ta magie n'a aucun effet, tu sens une résistance au moment où tu essayes de forcer les méandres de son esprit de pierre et tu n'arrives pas à le contrôler. C'est à Athémis. Eh ben, j'ai tapé sous le point du nez, enfin, dans les genoux. C'est vrai qu'il fait 2050, ça va être un peu... Ouais, c'est ça, c'est vrai que par rapport à toi, c'est plus les genoux, mais enfin bon, avec... Un petit saut périlleux, salto avant, tu pourras atteindre autre chose, mais... C'est Noël. Et ta deuxième attaque. Déjà avec la première, tu l'avais déjà touchée, et la deuxième... Voilà. Par contre, tu vois que ça résiste bien, hein, c'est assez solide, le troll de pierre, parce que t'as beau lui taper dessus, tu vois qu'il est toujours... Il doit commencer à avoir mal au genou, à force que je tape. Il a un peu mal au genou, mais il est toujours en face de toi, et d'ailleurs, il va réitérer son coup de tout à l'heure, il essaye de t'assigner un grand revers dessus, mais tu fais un saut sur le côté au dernier moment et tu l'évites. La gargouille n'est plus avec nous. L'autre, vous entendiez plouf plouf, vous voyez qu'il essaye de sortir de l'eau sans succès. Et c'est à Rennes. Ok. Je vois que les scutavazistes en face d'Athémis n'est toujours pas mort. Non. Donc, en mode tir rapide, je lui balance deux flèches. Et dans le mille. Bon allez, c'est parti, Wistiti. Allez, 5 et 14 pour toucher. 19 pour toucher. 19, hein. 19, ouais. Ça passe. Ouf. Donc, il se prend une flèche avec. Ça et ça dans le groin. Tiens, vilain. Ah, alors... Malgré ta précision, tu vois que la flèche rebondit sur sa cuirasse de pierre sans effet. Oh l'autre, trop balèze. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, attends, il est en train de tirer sur un troll de pierre. Et les flèches, elles vont pas faire de dégâts. Bah, essayer, ça peut, hein. Mais il faut que... Voilà. Il faut beaucoup de force, quoi. Il faut essayer, quand même. Ok. Alors... Tu vois que la deuxième flèche, cette fois-ci, tu mets dans le mille. Et Athémis, devant toi, tu vois l'espèce de créature s'effondrer au sol, inanimée. Voilà. Bon, faudrait s'occuper de celle qui est en bas, là. Elle va remonter un moment. Oh non, c'est hein. Des pierres qui flottent, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Après, si t'as la curiosité de regarder, tu vois qu'il essaye de monter, mais que, enfin, de toute façon, il est dans l'eau. En plus, il est emporté par le courant. Mm. Donc, tu penses pas qu'il va remonter de sitôt. Ok, tant mieux. Donc, d'où vous êtes? Que voyez-vous? Donc, vous voyez à côté d'Athémis un espèce de petit mausolée. Et sur le fronton du mausolée, d'ailleurs, vous voyez écrit Selmac. Ah, bah c'est là. Là, vous voyez, il y a des tombes, hein. D'ailleurs, vous voyez carrément tout maintenant, voilà. Et il y a un autre petit mausolée au fond, tu vois Rennes derrière l'arbre, tu vois un autre petit mausolée aussi. Ok, est-ce qu'il y a aussi des inscriptions dessus? Là, ouais, t'es trop loin. Voir, mais tu peux t'approcher. Oui, je vais aller voir. Alors, quand tu t'approches de ce petit mausolée, tu vois déjà qu'il était profané. La porte, qui était une porte en pierre, a été fracassée. Enfer et damnation. Après, c'était assez simple hein, comme tombe. Hein. Il y avait quelques petites inscriptions, mais sans plus. Et à l'intérieur, tu vois un coffre en métal ouvert.
Ah, il y a une inscription sur... À l'intérieur, il y avait la tombe et il y a une inscription au-dessus de la tombe. Mm-hmm. Il y a écrit quoi ? Tu peux lire Armand de Lycanis. Armand, loup parmi les loups, puisses-tu reposer en paix ? Armand de Lycanis, loup parmi les loups. Oula. Alors. Bon, faut en parler avec Lovix. Lycanis. Bah, Lycanis, c'est la ville d'où on vient. Le nom de la tombe, ah bon, c'est ça, Armand de Lycanis. Lycanis, c'est la ville dont était venu. Vous avez un bateau qui était venu avec des pêcheurs, vous vous souvenez ? Oui, surtout ouais, que Lycanis, c'est un homme. Il venait de Lycanis, ouais, qui était ouais, la ville de notre... l'autre côté du lac. Puis c'est notre ville du niveau zéro. Oui, tu avais trouvé, Ren, tu t'es dit, ah oui, ça me dit quelque chose. Et voilà l'inscription qu'il y a sur la tombe. La tombe est vide, hormis le petit coffre ouvert, qui a été abandonné par les pilleurs. Bon, bah, si tout tu est peux vide... faire un test de sagesse, s'il te plaît, si tu regardes le petit coffre. Bon, allez, je regarde. Ouais, 9. Tu vois, à l'intérieur, alors c'était un tout petit coffre, c'était un coffre qui faisait peut-être 30 cm de long, et à l'intérieur, il reste un tissu, et tu vois que dans le tissu, il y a encore une forme, comme s'il y avait eu un objet assez long. Qui est encore dedans ? Non, tu vois comme s'il y avait un emplacement pour ranger quelque chose à l'intérieur du coffre. Ouais, comme une empreinte. Ouais. C'est ça. Sauf que... Mais ça ressemble à quoi ? J'arrive à estimer quel type d'objet ça... Vu mon expérience ouais, tu des penses armes. Que c'était un petit cylindre. Un petit cylindre ? Bon, ok, soit. Je suis en train Est-ce que, est-ce qu'elle se transporte, cette boîte, ou elle a l'air d'être lourde ou pas ? Non, c'est pas lourd. C'est vide en plus. Tu peux la transporter sans souci. Ok, je prends la boîte et puis... J'irai la confier à notre très cher Athémis. Tu penses que c'est un... Il y avait l'emplacement pour un cylindre d'à peu près 25 cm. Peut-être qu'elle va nous servir pour plus tard, cette boîte, je ne sais pas. Donc, tu gardes la boîte, ok, je te la mets. On va dire que c'est boîte... Si j'écris boîte d'Armand, tu te souviendras ? Ouais. Mais ça me note pas le nom, d'accord, super. Ah voilà, c'est bon. Ok. Sinon, tu vois, ben, il y a eu des pilleurs, il y a plus rien du tout, il y a même pas, il y a rien dans la tombe ni rien. Ok. On va go le mausolée de Selmac alors. Allons trouver les cendres du magicien et allons nous reposer après. Alors le mausolée. D'ailleurs là, le jour commence à se lever hein, après votre petit combat du matin pour se mettre en forme et tout et tout et tout. Donc, le mausolée. Quand vous vous approchez du mausolée, vous voyez qu'effectivement, il doit être très très ancien. Il y a des statues, il était décoré à un moment donné très bien, mais vous voyez l'usure du temps qui a joué sur le mausolée. Est-ce qu'il a l'air d'être profané également ou c'est fermé Non, t'as la porte. Alors, juste devant, il y a une espèce de porte en bois qui t'a pas l'air spécialement fermée. Ah bah j'ouvre là. Alors, quand tu ouvres la porte, la première chose que tu vois, c'est une gigantesque statue. Ouh! Je me recule. Tu vois une statue de 4 mètres de haut, mais qui est abîmée, parce que tu penses qu'elle a été un petit peu vieille, mais tu vois, ça représente un homme qui porte une barbe courte, et avec des muscles très très saillants. Oh, et il a un pied sur le corps d'un dragon, et d'un côté il a une épée, et de l'autre côté il a un bâton de mage. Wow. Ah ouais, donc c'est vraiment le The Hero quoi. La statue elle fait 4 mètres de haut quand même, hein, donc tu vois, c'est le monument, le truc que tu peux pas louper. Putain, ça devait être quelqu'un, ce Selmax là. Un magicien tueur de dragon. Balèze.
Oui, bon, y a des prêtres tueurs de dragons aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, quand tu vois... Alors, je vais vous partager un plan. Petit à petit. Donc, le mausolée de Selmak. Vous, vous arrivez... Vous arrivez sur la partie... Bon, c'est pas une battle map, hein, c'est un plan. Voilà. Vous, vous arrivez sur la partie qui est en haut. Donc, la statue... Ah, vous pouvez zoomer hein, parce qu'elle fait 4 mètres de haut. Là, je reconnais que si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez du mal. Et derrière, tu vois, y a une, vous voyez une grille qui a été brisée. Un des pans de la grille est à moitié dégondé. On arrive par le 1, là. Oui. Bah, je peux vous mettre dessus. Pff, ouais, après, si je peux mettre... Non. Fait du visuel pour l'instant. Hein, pour l'instant, bas, vous arrivez là. Donc derrière, vous voyez, il y a l'entrée du mausolée proprement dite. Ça, c'était la cour intérieure. Ok, donc, ça en jette. Hein. Vous vous êtes approché, vous, de... Ouais, vous êtes tous à peu près du mausolée. Donc vous rentrez, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Alors, il y a une plaque commémorative sous la statue ou... Oui, tu vois Selmak, fondateur et sauveur de notre ville. Waouh. Après, il y avait sans doute un texte écrit, mais tu n'arrives pas bien à voir parce que bah, avec le temps et tout, les caractères sont plus lisibles. Voilà. Donc vous arrivez dans un petit mausolée. La pièce que vous découvrez en son centre avait un tombeau. La pierre qui recouvre c'était un gisant et en fait la plaque avec le gisant a été poussée au sol et brisée. Vous voyez au fond une statue pareil d'un vieux magicien qui a été poussée sur le côté. Et vous voyez un passage dessous. Vous avez l'impression que là où la statue a été poussée, ça masquait l'entrée d'un escalier. Vous voyez le haut de l'escalier tout au fond du mausolée. Il y a des fresques tout autour, mais elles sont usées. La peinture n'est pas très très lisible. Couleur passée, vous aurez par l'humidité, mais il y a des dessins tout autour. Je vais passer devant pour descendre dans le... Est-ce qu'on a une torche ou quelque chose ou parce que ça a l'air d'être... Je sais pas si c'est illuminé ou pas. Je peux passer une torche si tu veux. Moi, je vois dans le noir. Ouais, moi d'avance. Aussi, mais c'est pour les... Moi, je t'accroche. Hein. T'es mon chien d'aveugle. Quand tu t'engages dans les escaliers, Thémis, tu vois, t'as l'impression de voir une espèce de lueur rougeoyante en bas des escaliers. Ah bon, alors la lumière... C'est pas très très clair, il y a un peu de lumière. C'est plus une pénombre qu'une obscurité totale. On descend tranquillement mais sûrement. Donc Athémis ouvre la marche, qui d'autre derrière? Ah, mon point. Bon, moi je veux bien le suivre. Hein. Ok, Bob? Non, c'est Irène qui a parlé. Suis. Oui, juste, oui, toi tu suis Athémis. Bob, tu mets après, il y a Inno et... vous descendez, il y a un certain nombre de marches. Vous descendez, vous avez l'impression de descendre à peu près 5 mètres le mausolée. Sur chacun des murs, vous voyez des fresques. Avec la faible lumière, vous avez l'impression qu'elle vient carrément des fresques. Ça représente des dragons rouges assoupis. Des dragons rouges assoupis. Voilà, vous... Oui, sur les fresques de chaque côté. Alors où est-ce que je vais ficher? Je vais vous mettre là, comme ça environ. Ouais. C'est à peu près à l'échelle, hein, donc si vous êtes deux de front, en gros, ça passe. Voilà, on a dit nous, je crois, derrière. Et Athémis qui ouvre la marche.
Donc, vous voyez, le couloir est assez long, fermé par une porte à son extrémité. Vous me faites un test de sagesse? Non. Bah, t'es pas obligé hein, de regarder. Hein. Tu vas le voir quelque chose. Non, mais je vais faire. Oh, ouais, c'est bon. Hein. Et voilà, c'est 19. Bien, sagesse. Tu vois. Ah, mais non, ils sont pas très doués, hein, les autres. Tu vois, Bob, au fond du couloir, une porte. Et d'où tu es, tu vois qu'il y a un dessin sur la porte. Il y a un dessin sur la porte. Celui que je vous ai partagé. Et ce que tu remarques d'assez étrange, c'est qu'effectivement, comment. Tu vois que la couleur rouge commence à s'écouler petit à petit dans la partie basse du dessin. Mm-hmm. Bizarre, on fout vraiment rien. Et tu remarques aussi, Bob, qu'au centre du dessin, la forme ronde est en creux, comme s'il manquait une pièce. Bon bah je propose qu'on aille vite au niveau de la porte, parce que ça se trouve si va se passer un truc. Ok, je vous laisse déplacer vos tokens. Bon ok, moi j'y vais. Ouah, il va être là. Quand tu t'approches, tu vois qu'il y a déjà la moitié de la partie basse du sablier qui est remplie. Wow. Et plus je me rapproche, plus ça se remplit vite, c'est ça? Non. Et en combien de temps je me suis déplacé et en combien de temps ça s'est bien là, rempli? Là, vous devez être dans la salle depuis à peu près 30 secondes et tu vois qu'il y a la moitié du sablier qui est passé. Ouais, c'est-à-dire en 30 secondes, on a le temps d'arriver à la porte et le truc sera rempli. Je le sens pas, là, le machin. Je le sens pas trop, là. Courir jusqu'à l'autre bout. Bah ouais, allez hop. Allez Taïo, dépêchons-nous, le sablier, il est en train de couler. Je fonce jusqu'à l'autre bout. Ok, quand t'arrives, est-ce que les autres vous suivent, Ren, ou... En marchant. Oui. Ren, quand tu t'approches, tu vois qu'il y a pratiquement plus de rouge dans la partie haute. Ouais. Et ce que vous avez dit, Bob, effectivement, au centre, tu remarques une forme en creux. Ok. Et la forme en creux, elle représente quelque chose? Oui, ça te rappelle quelque chose. Tu sais que tu as déjà vu cette forme-là quelque part. Ça vous dit rien, vous, la forme ronde, là? Ah non. Pas du tout. Fais-moi un test d'intelligence, Atémis. Je pourrais t'aider, mais... Atémis, fais-moi un test d'intelligence. Oui, Atémis, regarde le médaillon que t'as autour du cou. Ah ouais, le médaillon, il a la forme. Vas-y, essaye le médaillon. Non, on va le mettre dedans. Le médaillon, vas-y, non, vas-y, tais-toi. Tu mets une baffe à Rennes. Quand tu commences à insérer le médaillon, mais tu vois que le sable, ou du moins la couleur rouge, s'est écoulée. Le médaillon enclenche le mécanisme, la porte commence à s'ouvrir. Sauf que derrière vous, vous voyez apparaître deux créatures de feu et de flamme. Dragon. Oula. Juste devant, derrière vous. Et ce sont de toute évidence des élémentaires de feu, comme ceux que vous aviez rencontrés il y a fort longtemps. Dans un je leur dis de vite rentrer à l'intérieur et de fermer la porte. Pour l'instant, la porte n'est pas assez ouverte pour que quelqu'un passe. Non. Quelqu'un, pseudo. Je leur dis de pousser la porte le plus vite possible. De passer la porte. Et c'est toi, ouais, j'essaie faire, de faire obstacle. Alors, tu te mets devant, Atémis, d'accord? Comment vous vous placez? Vous voyez deux créatures se précipiter vers vous, enflammées. Elles sont de flammes pures. Vous voyez qu'il y a des éclairs de feu qui commencent à darder vers vous.
Et tout d'un coup, il fait très très chaud. Je me mets sous tension défensif. D'accord, je te laisse faire ton sort. La porte, pour l'instant, est ouverte d'à peu près 10 cm. Tu as pu récupérer ton médaillon, hein, Thémis, ça a juste servi de clé, hein. Tu l'as toujours autour, ouais. Du cou. Là, pour l'instant, la porte est ouverte d'à peu près 10 cm. Et elle continue tout doucement à s'ouvrir. Ok, moi je vais l'aider à l'ouvrir, cette porte, là. Je fais le forcing pour qu'elle aille plus vite. Je vais t'aider. Vous pouvez faire un test de force tous les deux si vous voulez. Ouais, la force, c'est nous. Ok, donc ce tour-ci, il va rester que à Thémis à agir. Tu m'as dit que tu te mettais en défensif, c'est ça, ou tu fais autre chose? Ouais. Vous forcez toutes vos forces, tous les deux. Vous voyez, pour l'instant, l'ouverture est à 20 cm. Vous avez gagné 10 cm d'un coup. Yes, on y est proche. Thémis, tu m'as dit que tu te mettais juste en défense, hein, c'est ça? Ouais. Sur le bouclier. Est-ce que tu t'es mis... tu t'es augmenté la défense? Si tu te mets en défense pure, t'as plus... ça te rajoute 4, le temps de... Bah, mets-le dans une case vide en protection si tu veux que ça te le compte automatiquement. Tu te mets armure 4, même si t'as pas. Comme ça, je sais que ce tour-ci, ça va te le compter tout seul. Tu vois une espèce de géant flammé qui se précipite vers toi, Thémis. Mais ton bouclier fait écran et tu n'es pas... t'as très très chaud. La poignée de ton bouclier commence à devenir chaud. Mais tu résistes et tu vois le deuxième qui va viser Bob. Mais son jet de flamme s'éteint à quelques mètres devant vous. Les créatures avancent. Ren, à toi. Moi, je fais le forcing pour ouvrir la porte et de passer à travers la porte. Dès que il je faut peux. Que tu refasses un test de force. Ouais, c'est parti. Hey, oui, je te dis. Bon, c'est moins bien. Ok. Là, c'est ouvert d'une quarantaine de centimètres. 40 cm, ça passe, hein, non? Ino peut passer. Toi, faudrait un tout petit peu plus. Parce que, ben, c'est pas. Si t'étais tout nu, oui, mais comme t'as ton arme, ton arc, ton machin. Mais Ino, elle peut passer, hein, si elle veut. Y'a pas assez de place pour que je passe. Ino, tu pourras passer si tu veux. Et Bob, tu fais quoi? Bah, je vais continuer à pousser la porte aussi. Fais un test de force aussi, alors. Ah, ça marche pas bien. Inoua, toi, si tu veux... comme. Moi, ouais, bah, je vais passer de l'autre côté. Ok. Tu passes de l'autre côté. Je vais peut-être pouvoir les aider à ouvrir la porte plus rapidement. De l'autre côté, tu te retrouves dans une pièce complètement sombre. Mais t'es passé de l'autre côté, hein, t'es en sécurité. Thémis. Je me mets en défense totale et puis je vais lancer une bénédiction. Ok, la bénédiction... Donc, Béné, c'est plus 4. Tu l'as dans ton truc de combat, normalement. Si t'arrives à me sélectionner tout le monde à le faire, même, ça serait parfait. Mais si t'y arrives pas, je le fais. Et vous entendez... Envoyez-moi un LM, il fait tout noir, là. Alors, c'est lequel? C'est le premier ou c'est le deuxième? Alors, celui de combat, c'est... Alors, attends... Celui de combat, c'est le premier. C'est le premier. Attaque, hein. Mais normalement, il y a les deux aussi. Les deux. Ben oui, tu peux faire. Ben, ce qu'il y a, c'est. Le problème, c'est que si c'est un test, ça va. C'est mal fait, sort. Parce que si tu mets force, tout ça, s'ils utilisent la force. Bon, après, c'est... tu peux mettre les deux là, ce coup-ci. Comme ils attaquent pas. Parce que en fait, ça fait un double bonus de force. Donc, Thémis, c'est bon. Et les créatures... C'est bon, ça marche. Non. Bah, je vais le mettre sur les... Ah, c'est comme ça que ça sort. C'est bon. Il fallait que j'appuie sur le bouton. Il fallait pas que je sorte. Ouais. Par contre, tu vois... à nouveau... La première créature qui essaie... Un jet de feu et la deuxième. Ah. Alors attends. Parce que là.
Résistance à la magie, il faut que je lance un des 6. Si c'est supérieur au sort, je... Si par exemple c'est un... son sort c'est un rang 2 et que je fais 3, j'ignore son sort. Tu l'as chuté le dé. Ah, eh ben... Oui. Tu sens tout d'un coup, tu te sens investi par la puissance divine, et tu ne vois pas d'autre explication, et tu te sens comme un espèce de champ de force qui te protège, heureusement pour toi, de l'énorme flamme qui allait t'envelopper tout entier. La porte est suffisamment ouverte pour que vous puissiez passer. Go, 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 go. Allez-y, passez. Je vous préviens, il fait tout noir. Moi, je trace. Ninja. Donc on va enlever cette carte. Pouf. Vous passez et on revient sur l'autre carte. Vous... Je ne sais pas si vous l'avez toujours ouverte. Alors. Donc comme vous l'a dit Ino, une fois passé le couloir, vous vous retrouvez dans une salle alors, en forme de croix. De quoi elle m'attaque pas une deuxième fois? Eh non. Il reste dans la salle et les élémentaires, ils... D'ailleurs, une fois que vous avez passé... Alors, une fois que vous avez passé la porte, vous n'entendez plus rien. Et si l'un de vous a la curiosité de regarder, vous ne voyez rien. Le sol est un peu roussi, cependant. Ouais, c'est passé quelque chose, quoi. Ouais, ça doit être un système de défense, un truc comme ça. Vous arrivez dans une pièce complètement sombre. Athémis, la première fois que tu es dans une pièce où tu ne vois rien. Incroyable. Pareil pour Ren, tu ne vois rien du tout. Alors que vous avez été ébloui par la lumière rouge du couloir et par les élémentales de feu, vous vous retrouvez dans une pièce complètement sombre. Vous avez juste eu le temps de voir qu'elle avait une forme de croix avant que la porte derrière vous se referme. Et vous vous trouvez dans l'obscurité la plus totale. Un peu de lumière, mes amis, s'il vous plaît. Je sors mon épée longue, voir si elle émet de la lumière. Quand tu sors ton épée, pendant quelques secondes, tu vois un frémissement lumineux qui t'a l'air d'avoir été absorbé par l'obscurité environnante. Oh, ça sent la magie... Magie des ténèbres. Effectivement, ce n'est pas sans vous rappeler la sombre forêt de Norbois. Et rien qu'à ce souvenir, vous commencez à avoir quelques frissons dans le dos. Essaye d'allumer une torche, du coup, quand même. Tu allumes la torche à tâtons. Ouais. Et dès que la lumière commence à fuser, que la torche commence à rougeoyer... Ouais. Elle s'éteint, comme si on avait jeté un seau d'eau dessus. Bon, j'avance à tatillon, alors du coup. Ah, mais mes murs de lumière, ils fonctionnaient bien, si je me souviens bien, dans la forêt. Oui. Vu que j'arrivais à faire fuir... Du coup, allez, j'y vais, je me lance, je fais pop un mur de lumière juste en face de nous. Et lorsque tu lances ton sort de lumière en te concentrant du mieux que tu peux, tu sens que le mur de lumière, vous voyez pendant quelques secondes le mur de lumière se former, et tout d'un coup, il explose en milliers de petites étincelles partout autour de vous. Ah, c'est chaud. Elles s'éteignent toutes d'un coup. Alors là, je reste comme deux ronds de flanc. Bon, le peu de lumière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a eu le temps de voir quelque chose, ouais, comme dit Athémis? Ce que vous avez vu, c'est que le sol à votre pied est un sol de marbre, que tout autour, c'est de la belle pierre ouvragée qui n'a pas du tout été abîmée par le temps. Mm-hmm. Et que la salle a une forme de croix. Et le plafond doit être à peu près à 2 mètres au-dessus de vous. Eh ben, je demande si Zael, si Ino peut lancer plusieurs fois le sort le temps qu'on avance et qu'on y va.
Comme si on allumait la lumière et que les ampoules éclataient. Oui, enfin je... Par contre, Rino, t'as perdu le point de mana hein, que t'as utilisé. Oui, bah, je l'ai enlevé. Ah Et quand je range mon épée et que je la ressors, ça me refait de la lumière. Non, cette fois-ci, même pas une lueur. Bon, bah je m'avance doucement, je me mets à quatre pattes, comme ça au moins, je risque pas de me casser la figure. Je me mets à quatre pattes et j'avance. J'essaie de repérer un mur et je suis le mur. Le sol est froid, étonnamment lisse, comme si le ménage avait été fait de façon magique. Et tu ne tardes pas à percuter une paroi en face de toi. Et tu sens un mur. Bah, je le longe. Pareil, je longe les murs. En relongeant les murs à quatre pattes, vous finissez par vous percuter les uns les autres. La pièce n'est pas très grande. Ouais, c'est les fesses de qui, là? Ah, ça pue. Bob, tes chaussettes, quand est-ce que tu les laves? Et plus vous restez dans le noir, plus vous faire sentez bouffer mes chaussettes. La sensation de Norbois, vous commencez même à être un petit peu mal à l'aise. De temps en temps, vous vous retournez, vous avez presque l'impression d'entendre des chuchotements comme vous aviez entendu. Oh là 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 là. Oh, moi, je bouge plus, hein, j'en ai marre. On essaie de traverser la pièce. Hein, enfin... Vous pouvez me faire un test d'intelligence si vous voulez. Et t'as plus le truc Bah non, tu l'avais dit. La fiole? Bah non, on l'a explosé, la fiole. Artemis. Non, Reine, regarde dans ton inventaire. Quand tu penses à la fiole. Ah oui, j'y pense, ouais. Ah, je l'ai encore. Tu regardes dans ton sac. Tu vois la fiole. Bah. Dès que tu t'attends dans ton sac, tu vois dans ton sac la fiole qui est allumée. Oh papa, je la prends tout de suite et je la sors. Et dès que Ren sort la fiole de son sac, vous voyez que toute la pièce s'éclaire autour de vous, comme si l'obscurité n'avait jamais existé. Oh, j'étais persuadé de l'avoir explosé le truc. On a peut-être ajouté une de la magie. Et qu'est-ce qu'on voit du coup? Vous voyez au sol de la pièce, sur la partie centrale, vous voyez que les dalles, en fait, ont des inscriptions écrites dessus. Une énigme. Oula. Ils faisaient des mots croisés à l'époque. Oh non, on est dans un remake de Fort Boyard. Mamskull. Selmac déjà avec les Indra, tête de tigre. Ah ouais, c'est comment il s'appelle, Selmac. Ino voit tout de suite que certaines lettres pourraient former le nom de Selmac. Bah ouais. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des lettres qui se bougent? Est-ce que... Bah, t'essayes de faire bouger une des lettres? Ouais, bah ouais. Quand tu mets la main sur une des pierres où il y a l'inscription, elle s'enfonce légèrement. Si tu appuies juste un peu pour voir, elle s'enfonce, elle revient à sa place. Ah d'accord, donc on peut les bouger en fait. Je l'ai vu que ça s'est enfoncé. Mm. Je fais Ren, appuie sur le S fort. Ok. J'appuie. Tu vois la pièce qui a l'air de s'enclencher. Maintenant, on va appuyer sur le E. Le alors, E. Par contre, il y en a deux. Oh, bah, studio, hein. J'espère que ça va pas exploser. Allez, studio. Hop. Pareil, la pierre s'enclenche. Vous entendez un petit bruit de mécanisme. Le L. Allez, le L. La pierre s'enfonce également. Donne-moi le M. M. Un A et un K, voilà. Pour le suspense. Quand le nom de Selmac est clairement défini sur le sol, ouais, vous entendez un petit cliquetis et vous voyez les parois de chacun des murs du fond s'ouvrir et révéler
de chaque côté des ouvertures. Donc vous avez une ouverture au sud. Bien joué, Ino. Une au nord et une à droite. Ino, tu gagnes un point de chance. Permanent. Oh, merci. C'est la bénédiction de Selmac. Quand vous vous approchez des portes, il y a... Enfin, du moins, ça s'ouvre. C'est pas des portes, ça s'ouvre. Et sur chacune des portes, vous avez des symboles. Alors, je vais juste vous montrer des bons parce que... Il y a plein de trucs sur ce plan-là. Ah oui, il y a des symboles différents sur chacune des ouvertures, oui, c'est ça ? Il y a des symboles différents, c'est ça. Bon. C'est plutôt des symboles magiques ? Oui, okay. Donc tu vois sur celui du haut. Attends. Je vous demande juste une seconde parce que je voudrais pas me tromper. Donc on a deux portes qui se sont ouvertes. Hein, il y a trois portes. Une au sud, une au nord et une à l'est. Alors c'est juste que je vais vous montrer les symboles, mais je vais pas vous montrer n'importe quoi. Ça c'est bon. Ok. Donc sur celle-là, c'est celle du haut. Celle du haut, vous voyez ce symbole-là. Sur la porte qui est à droite, vous voyez celui-ci, qui est à côté du 6. Et sur la porte du bas, vous voyez celui-ci. Voilà. Ok, donc un triangle vers le bas avec le bâton, c'est en haut. Triangle vers le bas, c'est à droite. Et triangle vers le haut, c'est en bas. C'est ça ? Ouais, triangle vers le haut en bas. Celui qui est barré, c'est la porte du haut et l'autre sur la porte de droite. Tu peux, Ino, tu reconnais, c'est des symboles alchimiques. Tu peux me faire un test d'intelligence si tu veux savoir ce que ça... Si tu veux, tu remets... Alchimique ? Tu peux aussi, Bob. Bah oui, je m'y connais. Hein. Oui, Bob, tu peux aussi. Tu connais, tu t'en sers. Mais. Je vois pas dans le noir. Bob, il fait plus noir. Bob, il n'a pas été en cours, Bob. Bon, moi, je suis désolé, mais les autres, ils font de la chimie. Moi, je sais, je veux prendre des ingrédients, je les mélange au pif, ça fait quelque chose. Hein. Voilà. Alors, Ino, tu sais que le triangle en bas barré, c'est le symbole de la terre. Le triangle vers le bas. Normal, c'est le symbole de l'eau, et le triangle vers le haut, c'est le symbole de l'air. Ah, nous avons trois éléments. Donc terre, eau, air. Okay. Terre, eau et air. Reste à savoir si, une fois qu'on va passer la porte... Ça va être quoi, un élémentaire de terre, un élémentaire d'eau, un élémentaire d'air ? Peut-être ou des environnements liés à ces éléments-là. Donc. Bon, commence par quoi alors ? Je sais pas. Bah la terre. On lance on fait pouf pouf. Moi je dis qu'on jette un dé. Bon, apparemment vous êtes chaud pour la terre, alors on va commencer par la terre. Alors la terre, celui du haut donc hein. Ouais. Oui. Vous rentrez. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous voyez une arche devant vous et avec le symbole gravé au-dessus. En vous approchant, vous voyez que ça s'ouvre sur un espèce de boyau souterrain d'à peu près 1 mètre de large pour 1 mètre 50 de haut. Et déjà, d'où vous êtes, vous voyez qu'il y a un croisement qui vous permet de prendre à gauche ou à droite. Oh là. Est-ce que je sentirais une petite brise ou un bruit, non. Quelque chose ? Étonnamment, non. Comme s'il s'agissait d'un labyrinthe sans fin devant toi, Athémis. Ah, je dis à mes compagnons que ça sent vraiment pas bon. On peut peut-être aller voir les deux autres, peut-être qu'il faut les combiner. Par exemple, l'air peut peut-être essayer de nous guider sur la terre ou l'eau. Et le socle au milieu, hein, il y a quoi dessus ? Pour l'instant, il est absolument vide. Mais si tu l'examines de plus près, tu remarques un autre symbole.
le symbole du feu. Et pas d'emplacement pour le médaillon. Non. Okay. Ça marche pas à tous les coups. Bon, si. Mais la question est bonne. Oui, non, il n'y a pas d'emplacement. Ok, si. Donc, le truc du feu, on vient de le faire. Donc, le feu... bon. On fait quoi ? Là, ça sent vraiment le labyrinthe. Hein. Ouais, ouais, pas cool. Est-ce qu'on a des cailloux ? Ah ben, dans ce couloir-là, si jamais tu ramasses un peu, oui, il y a des cailloux au sol. Hein. Et peut-être que la lumière, elle cailloux, va pas être absorbée. Ou alors, sinon, on va dans le labyrinthe, mais on tourne toujours dans la même... On prend toujours dans la même direction. Comme ça, ça évite de se perdre. C'est la théorie. C'est ça, ou on après, voit les oui, autres... Bon, après, c'est sûr que si c'est dans un labyrinthe qui bouge, ça va être compliqué, mais... Bon, de toute manière, il faut bien faire quelque chose. C'est un principe, c'est plus facile si on veut dessiner un schéma ou quelque chose d'un labyrinthe. Il faut toujours tourner dans le même sens. Bon, on tourne tous à droite alors. On est tout droit. Oh, toujours tout droit. Ah bah non, à droite. Ça y est, t'es mis ça. Elle est tout droit, on ne pas. On va... Vous avez une torche d'allumer, quelque chose pour voir la fiole. Moi j'ai la fiole. Fiole. Du renne fonctionne à plein régime. Ok. Ben, je vous suis. Bon, après, tu devrais peut-être la garder, ta fiole. Ouais. Puis on a des... Ceci, elle s'épuise. Peut-être dans la mouise. Ça, c'est pour Bob qui avait envie de dessiner. Dessiner ? Voilà, t'as ton entrée de labyrinthe. Si vous rentrez dans la pièce avec le labyrinthe, c'est ça ? Ouais, et en fait, quand on entre dans la pièce, la terre, je pense, c'est celle où il y a le labyrinthe. Oui. Je vais ranger la fiole et sortir une torche. En oui, espérant et tu que vois la torche. La torche marche tout à fait. Ouf, voilà. Bon, chiffre impair, on prend un à gauche, chiffre pair, on prend un à droite. Allez, taillot. Chiffre pair. À droite. Voilà, tu vois ce que j'avais dit. Quoique j'ai cru comprendre qu'il fallait toujours prendre à gauche pour sortir d'un labyrinthe. Oh, toujours dans le même sens. À droite, vous faites à peu près 5 mètres dans un couloir qui descend. Et à nouveau, vous vous trouvez devant un croisement qui part à gauche et à droite. Je peux pas dessiner dans ton truc. Normalement, tu peux. En haut, tu vois, tout en haut, tu prends le crayon. Tu vois ? Non, moi, il y a marqué lecture seule. Je peux pas. Tu peux faire un clic droit sur le tableau blanc et puis sélectionner le pinceau ? Non, quand je fais clic droit et... Il y a quelqu'un qui me dessine, là. Ah, drawing. C'est Témis. Donc, il faut que tu fasses clic gauche ou clic droit, Témis, pour toi ? Clic droit. Aussi. C'est bon, ça marche. Et comment on fait pour effacer ? Pour effacer, en haut, à côté du crayon, t'as une gomme. Ah oui. Ah ouais. Ouh, ouais, c'est bizarre comme utilisation. Après, je te reconnais que c'est pas très très bon. C'est pas après, très intuitif, faire, je trouve. Tu peux le faire sur une feuille devant toi et voilà, voir après. Si... Donc, vous vous retrouvez à nouveau devant un croisement. Avec cette fois-ci trois directions. Donc, vous pouvez aller à votre gauche, à votre droite ou continuer tout droit. À droite. J'ai pas entendu. Tu m'as dit quelque chose. Oui. Est-ce que nos deux magiciens ressentent de la magie ou quelque chose ? Je leur demande. Vous sentez de la magie ou quelque chose ? Je touche mon breloque. Oui, Ino, oui. Ah, ça chauffe. Ah, bon, allez, tu vas suivre ton karma magique, là. Attendez deux secondes, je m'approche avec ma breloque, je vais sur le couloir de droite, et je sens si ça chauffe. Non. Je vais sur le couloir d'en face, et je sens si ça chauffe. Non plus. Je vais sur le couloir de gauche, ça chauffe. Oui. Bon, ben, je crois qu'on va légèrement dévier nos plans, les amis.
J'ai de la magie du côté gauche. Eh ben, allons voilà. À gauche. Très bonne idée. Hé hey. 5 mètres plus loin, à nouveau le même embranchement devant vous. Je me remets devant chaque. Devant chaque embranchement. À chaque fois. À chaque fois, vous avez 3 directions devant, à gauche et à droite. Ouais. Vous pouvez me faire un test de sagesse si vous voulez. Non. Alors j'arrive. Ren, tu as l'impression que les murs autour de toi, peut-être parce que tu glissais ta main le long de... Ils bougent en avançant, oui, tu as l'impression que les murs bougent. Non. Les murs bougent, les amis. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les murs pivotent ou se déplacent. Donc pour nous tourner en bourrique. Sympathique. Ouais. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée d'aller par. Ouais. Après, Ino, tu sens que à chaque fois que tu te retrouves devant un embranchement, un carrefour, tu sens toujours qu'il n'y a qu'un seul une seule des directions qui te semble la bonne. Ouais, en tout cas, moi, ma breloque, elle ne me trompe pas. Hein, donc, les murs, ils peuvent bouger comme ils veulent. Bah, on suit ta breloque. Hein. Je pense que la magie ne peut pas... Comme je la sens que dans un seul des couloirs à chaque fois, au moins ça, on est sûr que c'est la bonne piste. Par contre, restez bien groupés, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se perde. Ouais. Au bout d'une vingtaine de minutes à suivre les murs de gauche et de droite, vous avez l'impression de tourner en rond depuis le début. Vous commencez à entendre un bruit... assez étrange. Et en même là, temps, on a fait droite, gauche, et ensuite... Et en fait, à partir du moment où Ino a commencé à servir de sa breloque, vous avez continué, toujours dans la direction de la breloque, de ce qu'elle me disait. Et au bout d'un moment, vous commencez à entendre des bruits autour de vous, comme s'il y avait des éboulis de terre. Quand vous vous retournez, vous n'avez plus d'ouverture derrière vous. Oh oui, donc notre map ne sert plus à rien. Bah, oui. Et devant vous, tout d'un coup, les murs s'ouvrent et vous vous retrouvez dans une espèce de caverne d'à peu près 10 mètres de diamètre. Plus aucune ouverture devant vous. Par contre, ce que vous voyez très bien, c'est qu'au centre de cette caverne, on va servir du plan. Voilà, vous avez le caverne. Et au centre de la caverne, comme s'il y avait un petit monticule, une créature qui s'élève au centre. Et Athémis reconnaît tout de suite un élémentaire de terre gigantesque qui commence à s'élever du centre. Et vous voyez une espèce de forme humanoïde émerger du sol. Et vous regardez avec ses petits yeux rouges et commencez à rassembler tout autour. Vous voyez des tas de petits cailloux qui commencent à léviter autour des mains de la créature. Donc, par de contre, toute façon, c'est... quel que soit le chemin qu'on aurait pris, ce serait tapé un élémentaire. Bah, je crois bien. Ouais. Bah, je fonce dessus dès qu'on le voit apparaître. Alors, j'enlève juste la bénédiction d'Athémis. Ino est plus sous. Attention, je crois que c'est 8 ou... Non, ça fait trop longtemps. Ino. Et il manque Athémis. Voilà. Donc, Athémis, tu m'as dit, tu fonces sur la créature. Je lance une bénédiction et je fonce sur la créature. D'accord. Par contre, je te demanderai, tu peux lancer une bénédiction uniquement de combat, là, si tu veux bien. Celle avec l'attaque.
Parce qu'ils vont pas servir de, je pense, de... Des carax, s'ils s'en servent, on fera manuellement, sinon ça va modifier tous les corps d'attaque. Devant vous, vous voyez une créature qui grandit de plus en plus. La tête touche pratiquement le plafond, à 4 mètres au-dessus de vous. Et c'est une créature fluctuante, qui a une forme vaguement humanoïde, mais ça bouge tout le temps. Il n'y a rien d'autre dans la pièce ? Non. Et vous n'avez plus de sortie non plus. Oui. Ta breloque, Ino, tu sens que là, la pièce est imprégnée de magie. Tu peux attaquer à Thémis, hein. J'arrive pas à viser ton dé. Ah oui, non, c'est moi, c'est parce que je l'ai pas mis du combat tracker, c'est pour ça. Attends, je te demande une seconde. Pourquoi je l'ai pas mis ? Parce que j'ai pas fait ça. Ok. C'est bon, il s'est barré. Ouais. Ah non. C'était rude, voilà. Hein. Il est au centre. C'est bon, tu peux le viser, ça va marcher maintenant. Ah, par contre, je n'ai plus de musique, moi, du coup. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Yo. Voilà, vous voyez Atemi se précipiter sur la créature et balancer un énorme coup à la créature. Plein de terre qui vole dans tous les sens. Je sors un paquet de chips et je regarde le spectacle. Parce que ce stade, voilà, en deux coups, il l'a terminé. Hein. Et là, vous voyez la créature, vous voyez les pierres qui gravitaient autour d'elle, petit à petit se transformer en tourbillon. Et vous voyez la créature qui commence à suivre son tourbillon comme s'il y avait une tornade qui se faisait sur votre passage, et ça se précipite vers vous en tournoyant. Vous faites tous un test de dextérité si vous voulez éviter, ou de force si vous voulez résister. Vous avez, éviter. Avec la bénédiction d'Athémis, vous avez une bénédiction de plus 2 à votre G. On va le faire... Ben, je suis pas contre un de plus 2, moi. Ren, sans problème. Ino, non. Bob, non. Et Bob, il mange des chips. Je me casse littéralement la gueule. Atemis, oui. Donc, Ino et... Alors... Donc, ceux qui ont succès... Alors, ok. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Alors... Donc, vous perdez... Alors, Ino... Ino s'effondre. J'étais ravie d'avoir joué avec vous. Merci. Vous voyez, Ino, elle s'est pris de plein fouet une tornade de pierres et tout ça. Bob, tu te prends une grosse volée de cailloux dans tous les sens. T'as ta joue qui est entaillée, qui commence à saigner. Tu t'es pris plein de pierres dans le torse et ça t'a fait vraiment mal. Vous voyez qu'Ino a perdu connaissance. Et par contre, les autres, vous perdez quand même un petit peu de vie, mais moi, c'est... Voilà. Voilà. C'est quoi, Bob, c'est une attaque magique? Tu es... En fait, c'est un cyclone de pierre, une tornade. Et par contre... ah oui, pour l'attaque magique, non, c'est une attaque physique, c'est pas une attaque magique. Bob, tu, sous la violence du coup, tu es tombé au sol. Donc ce tour-ci, tu pourras pas attaquer, il faudra que tu te relèves. D'accord ? Vous voyez la créature, après ça, qui grandit, qui prend peut-être un mètre de plus. Ah, par contre, moi, je prends pas 7 points de dégâts, j'en prends que 5. Ah oui, pardon, comme je l'ai rajouté manuellement, t'as raison. Alors, la créature... Et tu vois la créature qui reprend encore plus de volume. Ah, mais j'arrête pas de me tromper entre le... Ah, c'est bon. Qui prend encore plus de volume, Atemis. Et c'est ta reine de jouer. Ok. Je vois que l'élémentaire est encore plus gros, plus dangereux. Je vois qu'Ino est tombé.
Inoue inconsciente. Inconsciente, ok. J'ai deux objets non identifiés dans mon inventaire. Est-ce que dans l'une d'entre elles, ce serait une potion? Qu'est-ce que t'as, toi, qui n'est pas identifié? Ah non, c'est l'arc. Ah. Non, si t'as pas de potion. J'ai pas de potion, d'accord. Bon, non. Ok, donc ça, je peux pas faire. Bon, bah, je dégaine mon épée. Et je crie Excalibur! Et je lui mets un grand coup d'épée. Et je dis. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Selmac! Ah, est-ce que tu utilises le pouvoir de feu? Oui. Bon, bah, généralement, quand je dis Excalibur, généralement, il y a le pouvoir de feu qui apparaît. Enfin, si ça marche. Ok, tu peux déjà utiliser le pouvoir de. Je sais plus où on l'a mis. Alors attends. Donc fais ton attaque si tu veux. Après tu peux faire déjà les dégâts de feu comme tu veux. Après les dégâts de feu c'est automatique, hein. Tu peux les faire directement sur la créature. Ok. Sans attaque, hein. Ça fait un jet enflammé. Hein. Ok. D'accord. Donc le jet de feu c'est fait. Effectivement, tu vois que c'était très efficace. Tu peux faire une attaque en même temps, hein, puisque tu m'as dit que tu fonçais dessus. Hein. Ouais. Oui, tu arrives à toucher. Voilà, et puis je dis Selmac. Je sais pas. Mais tu n'as pas l'impression que la créature réagisse à la voix. Bob, ce tour-ci, tu es au sol. Tu reprends lentement tes esprits. Tu as été quand même bien entaillé par toutes ces petites pierres coupantes. Tu saignes un peu. Tu as un peu mal, mais ça va. Athémis, c'est à toi. Eh ben, je vais faire un soin de groupe. Pour commencer, ok. Donc, Ino, c'est bon, oui. Ino, tu reprends tes esprits. Par contre, tu as à nouveau une blessure grave. Je suis devenue une spécialiste de la blessure grave. Tu n'oublies pas, hein, 12 à la place de D20. Donc là, tu reprends tes esprits et voilà. Je fous un coup dans la gueule, en critique. No. Oh là 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 là. Et tu vois la créature qui dicarde de sa taille. Vous voyez maintenant en face de vous un espèce de petit humanoïde de terre qui fait la taille d'Athémis. Ah, on fait moins le fier là. Et c'est à lui d'ailleurs, lui non. Voilà. Et tu vois l'élémentaire qui c'est qu'il est en face de lui, bah Athémis, qui rassemble et vous voyez un truc très bizarre en fait. Il va pour donner un coup de poing. Vous voyez que ça fait que toute la terre qui est au sol s'agglutine sur le poing et finalement vous voyez une masse de 1 mètre de côté qui s'abat sur la. Qui s'abat sur la tête d'Athémis, j'ai dit. Non, il veut pas. Alors, oui, sur la tête d'Athémis. Non, non, sur la tête d'Athémis, j'ai bien dit. Ah, et tu te prends un gros coup de massue sur la. Je fais les dégâts. Ah, ça pique un peu, mais bon. Ouais, c'est surtout que au moment où le poing te percute sur le crâne, en fait, le poing s'éclate en milliers de petits cailloux à nouveau. Et donc, en fait, c'est plus ça qui va blesser que l'impact, même si c'était assez lourd quand même. Hein. Ouais. Et là, c'est à Rennes. Bah ouais, mais vous pouvez échanger les tours, hein, si vous avez envie. Hein. Bah, je vois que Bob a... Trépine, donc j'attends que Bob tire et je ferai mon action après. D'accord, on échange vos tours alors. Bob. Ça marche. Ah bah je... Bob, là, je vois que t'es à trépigne. Là je vais devant. Devant lui, je lui pointe mes deux pistolets là sur la... devant lui. Je m'apprête à tirer. Attends, hop. Je pointe les deux. Là vraiment c'est j'essaye de me mettre le plus proche de lui. Comment qu'il voit les deux canons en face de ses orbites, s'il en a. Oui, tu vois des espèces de petits trous avec des petits yeux rouges. Je m'avance, je pointe, et avant de tirer, je fais « Say my name ».
Tu touches. T'avais pas fait sur la créature, mais il s'attouche. Ouais, j'ai un peu oublié. Premier coup, deuxième coup. Et la créature se disloque en milliers de petites particules, de plus en plus fines, de plus en plus fines. Yeah. Tout d'un coup, vous vous sentez enveloppé par un souffle très très chaud qui souffle toute la terre, toute la pierre, tout ce qui est autour de vous. Et vous vous retrouvez dans une petite pièce carrée, toute petite, qui fait peut-être 2 mètres de large, 2 mètres de côté, les uns à côté des autres. Et alors, tant que je nettoie. Celui qui nous met en bateau dans un faux labyrinthe. Oh là, magique là. Bon, il y a quelque chose quand même dans cette pièce. Oui, oui, attends. C'est que je faisais le ménage dans mon combat tracker. Et vous voyez au centre de la pièce un petit autel noir. On fouille. Sur laquelle repose un. Sur laquelle repose un marteau que je vous montre tout de suite. Oula, j'en connais un qui va être content. Mordant. Un marteau magnifique. Tu vois, oh. Athémis, que de toute évidence, c'est un chef-d'œuvre. Ah, bah, clairement, ouais. Oh, bah, il va se la péter avec ça, dis donc. C'est magique. Et en plus, il est magique, Athémis. Tu peux l'identifier si tu veux. Ah, mais c'est pas que magique. C'est pas que magique. C'est magnifique. Ah bah, Ino te dit... Alors, avec ce marteau, qui est de toute évidence un chef-d'œuvre, en fait, tu sais quoi, ça on sort du RP, mais en fait, c'est une arme doublement affûtée. Ça veut dire que t'as deux fois... Le critique est descendu de 2 points. Ça veut dire qu'au lieu de faire un critique à 20, tu l'as, voilà. Tu as le critique à partir de 18. Quand tu fais un critique, oh, t'as 3 fois les dommages. Oh. Ça veut dire que pour une attaque 18, 19, 20, tu fais 3 fois les dommages. C'est une arme qui a attaque plus 3 et les dégâts, c'est 1 des 8 comme un bon marteau. Ce nain va finir la campagne tout seul. Ah bah là. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il a le pouvoir d'enchaînement. Si ta première attaque est réussie, tu peux faire une deuxième. Bon, bah, banco pour le nain. Tu me médaillon, ça fait 3. Par contre, tu peux pas faire plus que 2, hein, c'est-à-dire, tu donnes un coup, si tu réussis, tu peux faire un deuxième, hein, mais pas. Voilà. Après, avec le médaillon, effectivement, au maxi, tu peux en avoir 4. Donc, je te le mets dans ton inventaire. Je l'ai identifié. Il est très beau, le marteau. Il est cheaté, là. Magnifique. Trop badass, là. Le design est superbe. Est-ce que ça a marché? Je suis en train de chercher si ça a marché, le marteau. Non. Mordant. Il s'appelle Mordant, en fait. Ouais, mais il n'y a pas les dégâts. Alors, est-ce que ça a paru... Mordant, non. Alors, on va juste... Je vous demande juste un petit instant. Par contre, les bonus enchaînement, tu dois y penser. Et par contre, pour les critiques, normalement, c'est automatique. Hein, tu n'auras rien à faire. x3. Non, il n'est pas du tout machiné, le... Parce que là, moi, c'est bon, hein, pour le mordant, j'ai bien critique à 18 et critique x3. Bah ça, là, bon, je viens de mettre critique x3. Ah, c'est toi qui l'as fait. Il y a pas de... Le dégât, c'est 1 des 8. Voilà. L'attaque, donc c'est plus 3. Mais toi, déjà en attaque, contact, t'as quoi? Alors, faut que je rajoute force plus 8. Voilà. Ok, et là, on devrait être pas mal. T'as une attaque. Voilà, ça te fait... Il est passé où? Ça fait l'attaque à plus 13. 1 des 8 plus 2, ça tient compte de ta force pour l'attaque. Ok, critique et tout ça. Donc toi, il faut juste que tu penses que tu peux faire enchaînement avec. Ok? Ouais. Et faut marquer magique aussi. Parce que mes armes tapent magique. Et magie, exact. Comme ça, on aura tout fait. Enfin, mes marteaux tapent magique. Voilà. Et tu vois, Athémis, que cette arme a sûrement été faite par des nains. Tu ne sais pas lesquels, mais c'est un travail... Certainement par mon dieu. Ah, ça, c'est un travail magnifique. Dieu des nains forgeurs.
Donc là, vous voyez, je pense qu'Athémis reste à regarder son manteau dans tous les sens. Alors, voilà. Que faites-vous ? Athémis, tu baves. Eh ben, dis donc, Athémis, on sent qu'on est gâté. On va être plus sympa avec les copains. Quand vous retournez dans la petite salle du milieu, vous voyez que le petit cube est légèrement plus enfoncé que tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, faut qu'on bute tous les élémentaires. Allez, go, go, la suite. On retourne de buter les élémentaires du feu. Ah ouais, du coup. Bah, ah, quoi que... Bah non, parce qu'ils ont disparu. Non, on va faire les autres. Bah, on va... Donc là, on va d'abord autres. Faire les autres, et on reviendra en couloir ouais, après. Ouais, on verra. S'il y a un truc, on ira faire les élémentaires. Donc mais vous oui, si... on va les faire. L'eau ou l'air? Bah... Si on peut envoyer Athémis se farcir un élémentaire, il va le faire tout seul et nous. C'est ça. Avec son ah, nouveau marteau. Il va aller bon là. Vous voulez faire une pause de 5 minutes avant qu'on continue? Ouais. On fait une pause de 5 minutes, ok? On peut. Comme ça, vous choisirez entre l'air et. J'irais bien faire l'air. J'ai un peu été vacciné par la flotte avec l'autre élémentaire qui va dans la tour. Allez, à tout de suite. Et par contre, Waino, t'oublieras pas un D12, hein. Désolé, oui, mais... Oui, oui. Va falloir te trouver des trucs, toi, pour survivre plus. Je peux lancer le nain. Athémis, go! Attaque mordant! Je crois que t'as un pouvoir de lévitation pour léviter le nain. Ça, tu peux le jeter. Et... Enfin... Je le duplique! Ah ouais? Non, je peux pas le dupliquer! Ah non! Tu peux pas faire des images miroirs sur lui? Non, je sais pas. Attends, ça marche comment? Attends, j'ai image décalée, mirage, imitation. Ah, tu peux faire des illusions. Ah non, je prends l'apparence. Ah ouais, tu prends l'apparence comme ça. L'apparence d'une créature de taille proche, donc comme Athémis c'est un nain, ça fonctionne. Eh bah ouais, carrément. Alors par contre, je prends l'apparence. Je prends pas tout ce qu'il a. Ah. C'est ça qui est un peu... Attends, après... ouais. Je fais un mirage d'Athémis. Ce serait marrant, toute une armée d'Athémis. Ouais. Non. On va vous péter la gueule. Alors, l'air ou l'eau ou le feu, enfin, dites-moi. Je pense, c'est toujours pas décidé. Moi, je pense à l'air. Allez, va pour l'air, c'est parti. On va galérer. C'est pas grave, de toute manière on va galérer partout. Allez, youhou, Tayo. Non, pas la terre, on va pas galérer. Donc, vous rentrez dans la pièce donc de droite, pièce à l'ouest. Et vous rentrez tous, je suppose. Oui, oui. Ouais. Et une fois que vous êtes tous les quatre rentrés, vous vous retrouvez dans le vide. Vous apercevez des nuages, des oiseaux, aucune terre. Vous êtes en air. Et vous ne tombez pas par une magie qui vous est inconnue. Vous avez l'impression de flotter. Vos bras se recouvrent de plumes. Et vos visages s'allongent, vous avez une vision qui vous semble fort étrange parce que vous ne voyez plus qu'en noir et blanc, avec les profondeurs différentes, un bec. Et vous vous regardez les uns les autres, vous n'arrivez plus à parler à part en coassant ou en langage d'oiseau. Et vous voyez apparaître devant vous une créature... Qui ressemble à une espèce de fantôme brumeux d'air en face de vous et qui commence à vous aspirer. Vous sentez un peu l'effet du tourbillon de terre, et cette fois-ci c'est de l'air. Vous vous sentez aspiré sur cette créature. Elle vous aspire dans un tourbillon et vous vous retrouvez dans une petite salle avec vos affaires cette fois-ci. Vous reprenez votre consistance d'humain et face à vous, vous retrouvez une espèce de créature semblable à celle de terre, mais cette fois-ci, vous voyez que son corps est parcouru de décharges électriques et qu'elle n'a pas l'air très heureuse de vous avoir en face de vous.
Qu'elle ne s'inquiète pas, on n'est pas très heureux, nous non plus, de la voir. Ouais. Mais bon, ce qu'elle sait pas, c'est que nous, on a un nain avec une super arme de ouf. Allez, vas-y, Atémis, ouais. Défonce-lui ta gueule. Voilà, avec son électricité autour, j'ai pas trop envie de m'y approcher. Ceci dit, oui, t'as peut-être pas tort, t'es un petit peu en armure métallique, Atémis. Vous voyez qu'avant de réagir, un peu interloqué par le fait de vous être transformé en oiseau, puis retransformé comme à votre habitude, vous voyez un éclair jaillir de la créature et vous frappez. Alors. Ren, avec un réflexe, évite le coup. Bob, pareil. Moi, je sens que je vais me manger, Inno, parce que je me mange tous les éclairs, voilà, depuis le début. Inno s'effondre, oh non, Inno, Pikachu. Encore Inno perd un peu... On devrait changer le job d'Inno. On devrait mettre, au lieu de mettre en sorceleuse, on va mettre partenaire. Je suis d'accord. Et aussi, aussi. C'est ta reine d'agir. Donc, tu as la créature en face de toi. Et moi, il essaye pas de m'attaquer. Si, si, il a raté. Elle t'a loupé aussi. Il n'y a que Inno qui aime bien la foudre. Ma foi. J'ai le coup de foudre. Ouh. Comment on bat un nuage d'électricité, C'est ce que j'étais en train de me demander. Alors, d'ailleurs. Nos attaques physiques vont passer. Non, mais est-ce que le médaillon ne marcherait pas sur ces créatures-là vu que ça a marché sur la porte? Je sais pas, mais bon, c'est pour moi qui ai le médaillon. Je sais pas, je retarde mon action. Attends de voir les autres, voir ce que les autres vont faire. D'accord, tu retardes ton action. Bob, à toi. J'ai envie de jeter un caillou. Juste pour voir c'est la consistance. Alors, si tu jettes un caillou, on peut dire que tu l'as gardé des cailloux tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que ça quand même, quand ça approche la créature, tu as quand même une consistance. C'est-à-dire comme l'énergie concentrée. Donc, le caillou va rebondir dessus. Donc, tu sens qu'il y a quand même un endroit où c'est plus dense. D'accord, ça, c'était mon premier test. Et mon second test avec une balle. D'accord. Je te laisse faire un petit. Il n'y a pas il n'y a pas la créature. Je te dirais... Alors attends. C'est... Ton coup est efficace. Et la créature se dissout, disparaît. Et autour de vous, comme tout à l'heure, vous voyez une petite pièce. Je suis médusé. C'est tout. Je recharge mon arme en disant mais c'est pas vrai. Vous voyez une... Alors on a dit vous étiez dans... L'air, où est-ce que j'ai mis l'air, voilà. Et vous voyez un petit hôtel blanc au centre de la pièce, comme tout à l'heure. Et là, vous voyez cet objet-là. Tromperie. Qu'est-ce que c'est? Il nous sait que c'est un objet magique, c'est un miroir. Un miroir d'argent, magnifiquement décoré. Mmh. Et vous voyez le mot tromperie écrit au dos du miroir. Oui. Inno, test d'intelligence. deux secondes, je sens encore le cramer, le temps que je me reprenne. Oui, d'ailleurs, Inno a les cheveux encore dressés sur la tête. Le temps que la créature tombe, je fais mon soin. Vas-y, tu peux faire le soin d'après-combat. Inno, tu vois qu'effectivement, cet objet magique, tu penses que ça permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. En fait, tu... Point de vie chacun. Alors, je pense que ça devrait être bon pour... Je suis soigné complètement. 10 points de vie... Ouais, vous pouvez remettre votre vie au maxi. En fait, c'est un miroir. Si tu prononces le mot tromperie, tu peux prendre l'apparence d'une personne que tu as déjà vue. Oh. Je peux essayer. Pendant,
pendant un temps limité, hein, mais tu peux. Enfin, si tu peux, Bob, je te le mets si tu veux. Alors attends. Juste essayer. Non, pas juste pour le prendre, juste essayer. Je le prends, je dis justement tromperie. Et là, voilà. Je me transforme en reine. et vous voyez médusé devant vous, les traits de Bob se brouiller. Et vous voyez deux reines, l'un à côté de l'autre. Et je suis beau gosse en fait. Qui sont absolument indétectables. Vous n'arrivez pas, en dehors des vêtements qui n'ont pas changé, en regardant le visage, vous n'arrivez pas à savoir lequel est lequel. Ah, oh, je sais. Ça te va bien de me ressembler. ça change l'apparence, mais est-ce que ça change aussi la voix? Oui. Mais par contre, ça change tout, pas que le visage, mais par contre, pas les vêtements, évidemment. Hein, mais, putain, en fait, j'en jette, hein. Yeah! Attends, fais voir! T'as tout flatterie, sérieux? Moi, je prends le truc et je dis tromperie et je me transforme en gant. Non, mais vous avez fini de jouer avec ça, là! Oh, mais quel bon de gamin! Ouais, mais c'est marrant! Du coup, j'ai la force de Gorok maintenant. Bah, en fait, c'est là que si tu testes, tu t'aperçois que t'as l'apparence. Ah, t'as pas la... Mais en fait, c'est une illusion, Thémis. C'est-à-dire que tu vois bien que en fait, c'est toujours toi. Les autres te voient comme Gorok. Ça peut être bien comme... Toi aussi, de l'extérieur, ouais, mais par contre... Comme... Pour l'intimidation, ça peut être bien. C'est une illusion. Pour toi, filer, ça peut être intéressant, ouais. Donc, qui veut hériter du magnifique... Bah, Bob, peut-être, non? Enfin, ou je sais pas. Moi, je le laisse à Bob, j'ai déjà un sort pour imiter les gens. Donc... Après, moi, c'est pas ma spécialité de tromper les gens. Moi, c'est... Non, crois-tu? C'est pas ta spécialité. Ça aurait été Tinandel, oui. Non. Lui, il est dans le spectacle, il est dans l'explosion, tout ça. Oui, bah, ça explose aussi, hein, avec Bob. Non, bon, on va mettre ça de côté en attendant. Peut-être que ça pourra nous servir ultérieurement. Je le mets à... Alors attends, les loups. Le problème, c'est que si Bob il le prend toutes les 15 secondes, il va se transformer en quelqu'un. Hein. Non, mais si t'as envie, moi je m'en fiche, hein, tu me le dis. Hein. Y a pas de soucis, hein, je te le mets, hein, Bob, hein, si tu veux. Oui, vas-y, mets-lui. Bon, bah, allez, je le prends. Attribué à Bob alors. Tromperie. Alors, je vérifie juste que je t'ai enlevé les... Tu peux lire le descriptif, hein. C'est un peu plus complet que ce que j'ai dit, mais ça veut dire que si t'es blessé, l'illusion disparaît, par exemple, hein. Si tu t'en sers. Et tu peux forcer à reprendre ton apparence normale, mais si tu veux le faire avant la fin du temps, qui est de 2d6 plus ton intelligence... tu peux, mais ça te demande un test d'intelligence. C'est pas dit que tu arrives à retrouver ton apparence instantanément, par contre. Hein, une fois que tu es transformé, il faut souvent attendre la fin du sort. Voilà. Ça, c'est bon. Ah, ça fait... on pourra faire une excellente blague à Clovic. Ah oui, après, tu peux... Il suffit que tu aies vu... des décharnés, là. Une personne, et tu peux... Il faut que ça soit humanoïde, hein, quand même. Hein, faut pas... Un dragon, ça va pas marcher. Hein. Ah, je... Dominia, tu prends l'apparence de Dominia. Dominia, oui. J'ai son fouet, c'est parfait. Avec son fouet. Oui, c'est vrai que tu avais gardé son fouet, exact. Alors, que faites-vous? Quand vous retournez à la petite pièce du milieu, le cube s'est abaissé un petit peu plus. Bon, bah, il n'y a plus que la flotte, alors. Alors, eh bah, mettons en sous-tension, on va te balancer dans l'élémentaire, comme ça tu vas l'électrocuter. C'est une bonne idée, ça, dis donc. Donc, le sanctuaire de l'eau. Vous voyez, quand vous approchez de l'arche, de l'autre côté de l'arche, ben, c'est sous l'eau. Enfin, vous voyez un fond sous-marin. Sous l'océan. Si vous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que derrière la porte, il y a un mur d'eau. De l'eau. Bon, bah, on va faire trempette alors. Hein. Ça a l'air d'être loin. Moi, je mets la main dans l'eau. Là. C'est de l'eau tiède, ça va, c'est pas mal. Elle est bonne. Elle est bonne. Bon, bah... Ça a l'air profond. Est-ce que ça a l'air profond?
Bah, en fait, c'est pire que ça. C'est comme si ça c'était une fenêtre qui donnait en plein milieu de l'océan. Il y a de l'eau en bas, sur les côtés, en haut, enfin partout, quoi. Si vous allez là-dedans, vous vous retrouvez en plein milieu de l'océan, en plein milieu de la mer. Non, ça me plaît pas Pas beaucoup. proche de la surface, je veux dire, si je me fais pas bien comprendre. On a pas un sort qui permet de respirer sous l'eau. Moi, personnellement, je peux pas rentrer dedans. Et moi non plus, ça va mouiller ma poudre. Enfin, je peux la protéger une partie, mais pas tout. Je vais essayer quelque chose, je demande aux autres de se mettre derrière moi et je me charge en électricité et je pose ma main contre le mur d'eau. Pikachu! C'est ça. Tonnerre. Para Tu veux. tenir le retour. Tu sais que si tu mets de l'électricité dans l'eau, ça va conduire. Ça veut dire qu'ils vont tous. Oui, tu peux, mais tout Ben le non, monde va se justement. Ah, on prendre. n'est pas dans Non, l'eau mais là. tout le monde est derrière. Non, Non, moi j'ai je suis dit pas tout dans le monde. l'eau. Je vais pas les électrocuter quand même. Je suis pas vache. Hein. Allez, Tu veux finis-nous, Inou, finis-nous. électrocuter. D'accord. Non, parce que j'ai cru que tu voulais qu'ils tiennent justement. Non, d'accord. Donc si Ils se tu mettent mets. derrière moi. Si tu charges, tu vas effectivement envoyer une électricité, une décharge d'électricité dans l'eau. Et ce faisant, tu vois en face de toi une espèce de créature ondine qui tressaille de douleur. Ah, démasqué, élémentaire de l'eau. Eh ben, je recommence. Là, tu peux recommencer si tu veux. Par contre, alors comment ça marche toi? Ça te fait des dégâts ou pas? Attends, attends, je regarde. On les avait codés, tes dégâts, non, pour ça? Alors, ouais, il y avait quatre façons de faire différentes. Il y avait le sous-tension défensif, magie simple, magie puissante. Et il y a le sous-tension attaquant, bon, voilà, agressif, magie simple, magie puissante. Ça, il y a quatre jets possibles. Ben, tu me dis lequel tu fais. Eh ben, on va faire l'attaque sous tension magie puissante agressive. Alors, par contre, j'ai pas de Tu jettes dé les à dés. lancer. Tu t'appuies juste sur Ah la oui, ouais, goutte c'est de sang et ça va te faire les dégâts. Alors. Ah, l'autre, il m'a envoyé un coup de jus tout à l'heure. Je peux te dire, j'ai chargé à bloc. Tu peux même faire une deuxième fois parce que t'as fait deux fois de suite. La première fois, la créature t'a pas vu arriver. Et ensuite, c'était ton attaque normale. Donc là, je t'ai bien compris, t'as juste une Ah seule main bah, qui touche le mur d'eau, c'est hein, c'est ça, bien ça. oui, c'est ça. Alors, la créature s'approche de toi. Tu vois que c'est une espèce de créature humanoïde qui a une forme plus comme une sirène que comme un humain proprement parlé. Et tu vois une espèce de point d'eau se diriger vers toi, te toucher. Vous voyez Ino reculer, propulsé par un espèce de point d'eau, point en forme d'eau. Et en fait, ça te sonne un petit peu. Non, c'est pas ça, ça. Merde. Voilà. Et elle se cogne la tête en fait en tombant, plus la pression de l'eau, elle est un petit peu écrasée par ce point d'eau et elle recule. Mais la créature a été touchée. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, après Ino, ça serait à Miss. Bon, je vais vers Trompette, Ino trompette, pour la. trompette. Hein? Je sais pas. Je vais Attimis. vers Ino pour la relever, voir si elle n'est pas trop blessée. Ben après, Ino, lui en faut pas beaucoup, mais ça va, tu es encore C'est ça! debout. Je suis pas encore au sol! Tu es encore debout. Ben oui, tu vois qu'elle était bien sonnée quand même. Mais bon. Elle se remet vaillamment debout et prête à en découdre. Soigne-la, Ça va, Artemis, soigne-la! bordé! Soigne-la, remets-la à bloc, et puis elle va relancer ses éclairs, ça marche bien. Par contre, tu penseras à utiliser des dés doux, sinon la prochaine fois. Bah, c'est ce que j'allais faire. Bah, en fait, vu que c'est un D8,
C'est un débit d'attaque, là, en fait. C'est pour ça qu'au début, j'allais te dire justement qu'il fallait que je change mon dé. Non, pour les dégâts, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est moi. Inno, attaque tonnerre. C'est ça. Boulelec. Inno, Inno. Pika. Parce que je voulais voir s'il y a... Tu fais quoi, Thémis, alors? Bah, je la soignerai bien, mais le problème, c'est que je la soignerai pour pas grand-chose, sans t'embêtant. C'est toi qui vois. Alors... Allez, faut que chacun de nous doit buter un élémentaire. Après, c'est Rennes devra s'occuper de ceux du feu. Ok, oui, non, t'as pas... les moustaches. Après, Inno, t'as pas de malus hein, sur tes coups. Hein. Ok. Donc, bah, vous laissez à Je refais un soin de groupe. Ok, donc pour ce combat-ci, il est fait. Donc, ça rajoute 15 points. Donc, Inno, en pleine forme. À nous deux. Les autres, vous laissez Inno agir? Ouais. Ouais, ouais. Vous me dites hein, si vous voulez faire autre chose. Inno. Franchement, mais je les arrêterai après pour la rattraper. D'accord. Moi, je l'encourage. On est tous en position contre, derrière dis, pour la rattraper. Je dis aux autres de se tenir prêts à essayer de taper la créature au moment qu'elle arrive, quoi, parce que maintenant on sait qu'elle va charger. Ah ouais, bah si elle revient chargée, moi je décoche, je me prépare à décocher deux flèches. Ok, donc Inno, à toi de jouer. Je relance sous tension magie puissante. Ouais. Tu touches à nouveau la créature que je me trouve dans les calculs. Et la créature, tu vois que quand elle s'approche de toi pour attaquer, tu vois que ça crépite, ça continue à crépiter à l'intérieur d'elle. Et du coup que ses mouvements sont moins bien coordonnés que tout à l'heure. Donc on a dit Yaino avec Athémis derrière, c'est ça, et Ren qui se prépare à tirer. Ouais. Ren, tu vois la créature se précipiter vers Inno comme tout à l'heure. Tu as le temps de tirer avant que. Ok, allez, qu'elle arrive. Dans le milieu. En fait, elle sort pas vraiment du mur d'eau, quoi, ouais. Mais elle peut sortir un point ou un pied ou quelque chose. Ok, donc je lui tire au-dessus. Allez, c'est parti, Wistiti. Allez. Ça fait 24 pour toucher les. Est-ce que ça touche dans l'eau? Oui, ça touche. Même avec le malus de l'eau, oui, ça touche. Par contre, du coup, question, si j'écarte Inno au moment que la créature arrive et que je me mets devant le mur d'eau, c'est moi qui l'attaquera? Oui. C'est ce que je vais faire. Parce que Inno, en fait, comme elle a fait un coup puissant, elle avait plus de déplacement. Sinon, elle aurait pu faire un coup moins fort. Un déplacement. Je l'écarte avec un... D'accord. Sur ton mouvement, en fait... Ouais. Et deuxième mouvement, j'essaie de la taper si tu m'entends. Ça touche. Ok. Alors, Athémis, tu fais une manœuvre, tu te mets devant, tu mets Inno derrière toi, en gros, si j'ai bien compris. Bah, je la décale sur le côté pour pas qu'elle soit touchable, et puis si je peux avec ma deuxième attaque, je tape la créature au moment qu'elle arrive. Tu peux faire ton attaque. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Et après, ça sera Bob. On va lui mettre un coup de mordant. Oui, ça marche. Mais elle a pas envie de mordre. Et ouais. Mais ça a touché quand même. Mais bon, après, c'est bizarre, quoi. Dans l'eau, ça fait... Et puis, c'est ça plouf. Fait... C'est... Voilà. Et c'est à Bob d'agir. Qu'est-ce que tu fais, Bob? La créature est sortie? Là, la créature, elle n'est pas vraiment sortie, mais elle est à portée. Tu vois juste, en fait, tu vois comme quelqu'un qui serait derrière un drap, tu vois, et qui essaierait d'avancer. C'est ce que tu vois, en fait. Derrière le drap d'eau. Alors, ça passe très, très bien. Alors, attends. 13, ça fait. Tu vois, t'as fait un coup ou deux coups? Un seul. Tu vois la créature qui se disloque, des gouttelettes d'eau qui partent dans tous les sens, et vous voyez devant vous la salle qui se vide comme s'il y avait un grand siphon qui aspirait toute l'eau. Et comme les fois précédentes, vous voyez un petit autel
bleu. Appelez-moi le nettoyeur. Avec un objet qui repose sur le sur l'autel. Alors qu'est-ce que c'est cette fois? Alors, vous voyez un... Alors, je vous partage ça. Vous voyez un anneau de jade sur lequel court un dessin de dragon. C'est effectivement, c'est évidemment, comme vous le confirmez nous, un objet magique. Très joli. Et que fait-il? Je suis un peu hypnotisée par l'anneau. Alors, attends. Et ben... Par contre, il faut un dit tu fasses avec un... C'est bon, attends, que je te dise pas de bêtises. Non, c'est juste la force, on a dit. C'est la force, la dex et la caustique. Donc ça passe, impeccable. Donc 17. Oui, tu examines un petit peu l'objet, Ino, et tu sais que c'est un anneau qui confère à son porteur la capacité de respirer sous l'eau. Je le veux bien. Comme et... ça ira avec la bec pour que je puisse marcher dessus. Voilà. Et également, protège très très bien contre l'acide. Ah, ça protège pas contre la foudre? Oh. Non, ça protège pas contre... ça te permet de respirer sous l'eau et de te protéger contre l'acide. Okay. De beaucoup, hein, quand même. Hein. 10 points, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Et l'anneau s'appelle Draconis, parce qu'il a un nom, puisque c'est un objet magique. Okay. D'accord. Je ne veux pas dire, mais ça m'intéresse grandement aussi. Oh, mais toi, ça va, toi. J'ai Lucie, une espèce de rapace. Deux morceaux, ouais. Ceci dit, comme il est souvent devant et que s'il tombe à la flotte, il peut crever, ce ne serait pas si con que ça que notre ami Athémis ait l'anneau. Bah, sinon, tu lui donnes l'anneau qui permet de marcher sur l'eau. Ça, il tombe pas dedans. Oh, ouais, pas con. Et bon, ce Bob. Oui, c'est vrai que si tu marches, tu peux pas aller sous l'eau. Faut choisir l'un ou l'autre, en fait. Parce que si tu marches sur l'eau, tu peux pas aller dedans, en fait. C'est pas bête. C'est effectivement... Mais j'en avais pas pour mettre l'autre. C'était quoi, attends, je laisse. Ah, c'était un anneau, effectivement. C'était deux anneaux. Je donne l'anneau des eaux à Athémis, puis je garde Draconis pour moi. Vous faites... Parce que mine de rien, je suis la plus fragile, donc la résistance contre l'acide... Plastel, elle est baisse comment maintenant? J'y arrive dans une seconde, laisse-moi juste faire le petit échange. Non, c'est pas ma question. Donc... Et la stèle est complètement enfoncée au niveau du sol. Quand vous... Merde, on n'aura pas de quatrième objet. Revenez à la place, vous voyez un petit autel dessus, avec un objet. Ah bah si, on aura un quatrième objet. Et c'est un, c'est une baguette magique que je cherche. Ça va être pour Rennes, puisqu'il a encore une. Voilà. Vous voyez, un bâton de mage, cylindre de métal noir avec des flamèches à chaque bout. Tu veux essayer de l'identifier, Ino? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Enfin, je l'identifie, puis après, je vous dis. Enfin, je l'identifie. Donc... je suis un peu fatiguée, quoi. Alors, attends. Un bâton de feu, quoi. Ouais, tu sais que c'est de toute évidence lié au... Mais il faudra que... C'est pas n'importe quel bâton. Bah après, t'es pas vraiment magicien, Bob, donc comme c'est vraiment un objet magique, là, tu sais que c'est lié au feu, là, il n'y a pas de souci, que ça fait sûrement des sorts de feu. Mais après, vous n'arrivez pas exactement à savoir comment ça fonctionne, il n'y a qu'un magicien qui peut vous dire ça. Tu pourras réessayer, Ino, tu pourras réessayer... D'accord. Bah, du coup, comme c'est important pour moi, enfin pour Ino, que tout le monde ait une récompense... Une fois par jour, en fait. J'enlève l'anneau Draconis, je le donne à Rennes et je prends la baguette. Comme ça, chacun de nous a un objet magique issu des élémentaires. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'objets que d'autres. Draconis. Donc, hop, Rennes. J'enlève l'anneau. Voilà. Et. J'ai mon élément. Ça sera pas.
identifié pour l'instant, Inou, hein, d'accord ? Oui, oui. Alors par contre, du coup, j'avais déjà un objet non identifié dans mon sac avant la baguette. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en avait un. Je crois que c'était une des... Ah oui, il y avait une arme de Dominia que tu n'avais pas... Bah, tu peux réessayer pour ça, par contre, si tu veux. Ah bah, en rangeant ma baguette, je fais... Ah oui, c'est vrai, c'est quoi, ça des... Oui, c'est vrai qu'il y avait... Bah... Ouais, tout ça, voilà. Tu regardes pensivement le poignard en forme de dent que tu avais trouvé dans la chambre de Dominia, mais ça ne t'avance pas plus. Voilà, donc ça, et ça. Au moment où vous prenez le dernier objet, vous voyez que par là, vous êtes entré, la porte s'ouvre et vous voyez un étrange couloir lumineux. Une lumière qui s'en diffuse, qui a l'air très rassurante et très réconfortante. Rien à voir avec la noirceur à laquelle vous avez eu affaire tout à l'heure. Et où ce couloir ? C'est juste là où vous êtes entré, à la place de l'endroit où il y avait les élémentaires de feu. Ouais. Vous voyez un couloir lumineux. Mmh. Ok, ben moi j'y vais. Quand tu rentres dans la pièce, vous vous trouvez dans une pièce circulaire, une pièce d'une dizaine de mètres de diamètre. La pièce est parfaitement circulaire. Au plafond, vous voyez comme si vous étiez sous un ciel étoilé. Il y a des milliers de petits points blancs qui représentent un ciel étoilé. Et tout tourne comme si vous étiez à l'intérieur d'un planétarium magique. Au centre de la pièce, un petit vase, très beau, très simple, posé sur un petit piédestal blanc. Atimis, quand tu touches le vase, un tourbillon de poussière se dégage du sommet de l'objet. Et dans un sifflement strident, vous voyez apparaître un visage. Le visage d'un noble vieillard barbu. Ses yeux, semblables à deux puits noirs ouverts sur les abysses du temps, se fixent sur vous. Et vous entendez d'une voix sépulcrale « Qui vient ?» Troubler mon sommeil. Il te fixe à Thémis. Tromperie. Je suis à Thémis. Nous avons été envoyés par... comment il s'appelle déjà, Clovic. Le prêtre Clovic. Le maître de la tour. Clovic. Nous avons été envoyés par Clovic. Disciple d'Herbus. Tu vois, vous voyez le visage qui était pratiquement menaçant s'éclairer d'un sourire. Il vous regarde, se tourne vers chacun d'entre vous. En fait, c'est assez étrange, vous avez l'impression qu'il est en face de chacun d'entre vous. Ainsi, le moment est enfin venu pour moi de goûter au repos éternel. Je vous offre mes cendres, ainsi que mon héritage. Faites-en bon usage dans les nombreuses épreuves qui vous attendent encore. Et vous voyez le spectre se dissiper en milliers de petits points lumineux qui sont absorbés par le plafond. Vous voyez alors le plafond qui tournait se figer, s'éteindre progressivement. Quelques instants plus tard, vous vous retrouvez à l'entrée du mausolée, devant la statue de celui qui vous semble être le fantôme que vous avez croisé tout à l'heure. Le grand et puissant Selmac. Si vous êtes blessé, vous récupérez tous votre vie au maximum. C'est bon. Si on est blessé grave. Oui. Voilà. Et Ino, tu peux enlever ta blessure grave. Youpi ! Et Atimis, dans tes mains, tu tiens la petite urne avec les cendres du magicien. Bon, bah, super. Je les range précieusement. Derrière vous, vous entendez un grand bruit comme un tremblement de terre. Vous vous retournez et vous voyez l'escalier s'effondrer sur lui-même. Et quelques instants plus tard, il n'y a plus aucune ouverture. Il ne reste plus que l'entrée du mausolée. Ouais, bon. Bon, bah cool. Allez, allons nous reposer à la tour.
Je ferme. Je vais mettre l'urne à Artemis quand même. Ça serait dommage d'oublier que vous avez. Cendre du magicien là, quand même. Hein. Au lieu d'avoir les clés, on a les ingrédients. Et là, il y a le nain qui fait deux. C'est vrai qu'on en a deux. Donc ouais, on va rechercher Frédérico et. C'est Freddy. Freddy, ouais, c'est Fredo, ouais, qui avait le tonneau de sang de coq. C'est ça. Et puis on va aller se reposer dans la tour du magicien à raconter nos exploits avec le Vic. Donc on repasse sur la carte. Si tout le monde est d'accord, hein. Mm-hmm. On a besoin de repos là, je pense, avec tout ça. Alors, en sortant du cimetière, faites-moi tous un test de sagesse. Vous allez reprendre le même chemin que tout. Moi je fais des bons jets ce soir. No. Je regarde. Oh non, vous voyez la foule, ça va du ciel. Et évidemment, sur qui elle va tomber? Alors attends, je regarde. Vous voyez la foudre s'abattre à nouveau sur Ino. Oh, mais sérieux? Alors, pourquoi? Vraiment pas de bol. Hein. Alors, et range ton bâton. Je dis que c'est un peu de la triche, hein, du MJ. J'ai fait mort. Et Ino, à nouveau, tu sens la sensation qui était tout à fait familière. Merde. Picotement de la foudre, je sais pas, j'ai pas compté, mais je sais plus, tu vas finir par être électrique à vie. Et vous voyez à nouveau ses cheveux qui crépitent, vous voyez à nouveau qu'elle commence à brûler au niveau des sourcils un petit peu, les poils roussis. Et je vais être sous tension, hein, je vais me taper. J'aurais plus besoin de le mettre. Non, paratonnerre, hein, c'est un bon surnom. Il faudrait que tu trouves un. Sérieux, quoi. Il faudrait que tu trouves un objet. Mais pourquoi en ayant fait deux, c'est moi. Après, vous remarquez Artemis et Ren, vous voyez rien du tout. Vous n'entendez pas de bruit. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vaincu Dominia? Pour l'instant, autour de vous, tout vous paraît calme. En plus, comme vous avez, si vous reprenez le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire le long de la rivière, vous arrivez à voir que là, c'est dégagé. Hein. Vous savez que si vous ne mettez pas trop de temps, pour l'instant, il n'y a personne. Là, on est, c'est la tombée de la nuit. Okay, bah, vous avez passé pratiquement toute la journée à l'intérieur du tombeau. Ouais. Le pauvre, il doit s'impatienter dans la tour. Dans le tour de garde. Attends, moi je vais m'écrouler dans mon lit. Hein. Ah bah ces coups de jus là. Ouais. Je suis rincé. Hein. Je suis vraiment dégoûté. Ratonnerino. donc sans encombre, vous arrivez devant la tour grise qui est toujours fermée, hein, comme l'avait laissé Bob. Le bateau n'a pas bougé. Alors okay, je désactive le piège. Donc c'est toi qui l'as fait. Faire sortir notre ami. Vous voyez Frédéric qui était un peu inquiet quand même parce que vous l'avez laissé toute la journée. En plus, il a vu des trucs bizarres, des éclairs, tout ça, là, qui venaient du fond de la ville. Donc il vous regarde un petit peu soulagé de vous voir tous entiers. Bon, on peut retourner à la tour du magicien, là. On peut y aller, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il prend le tonneau, le petit tonneau de sang sur l'épaule et il vous suit dans la barque. Allez. Tourne à la tour du phare. Après, non, sur l'eau, une seconde. Ok. Donc vous arrivez sans encombre à la tour du maître. Youhou. Je peux me transformer en Clovic pour avant qu'il ouvre la porte. Oui, tu peux. Il a suffisamment vu pour te transformer, donc tu te transformes. Ça, quand il va ouvrir la porte. En Clovic, d'accord. Quand vous entrez, effectivement, c'est Clovic qui vous ouvre la porte. Mais en même temps, c'est le seul qui peut ouvrir la porte. Non, il y a. Il y a tout le monde ici. C'est vrai qu'il y a. De toute façon, c'est le seul. T'as raison. Ah, mais Thomas. Non, mais Thomas, il peut pas ouvrir la porte. C'est que... Ah oui, c'est vrai, il y a la tour. Ouais. Quand il te voit, Bob, tu vois qu'il commence à bégayer. Mais quoi, c'est qui? Bah, c'est trop cool. Et tu vois qu'il commence à devenir tout pâle, là, qui recule.
Et vous entendez courir et vous entendez un bruit de porte qui claque à l'étage. Vous vous souvenez que sa chambre est à l'étage? Oui, oui. Du coup, je pousse Bob, je rentre un peu ronchon. Je fais, mais non, Clovis, allez, redescends, viens, qu'on t'explique. Alors, je cherche la carte de la tour. Où ai-je mis? Si vous voulez la revoir, alors attendez, tour. Je vous l'avais partagé, je crois. Si je la retrouve. Je sais pas où aller. Donc quand vous rentrez, eh bien, vous avez pas grand chose qui vous attend parce que vous avez fini pratiquement toutes les provisions de. Alors est-ce que j'ai mis la tour? Et donc vous la tour avez. Du phare, c'est le PNJ. Ouais, c'est bon. Non, imagine, on a peut-être dû garder de la viande, de la cocatrice. Donc, pour info, la chambre de Clovis, que c'était... Un bordel sans nom. Ouais. Ouais. c'était au premier étage. C'est ça. Bon, Ino, vas-y, va le consoler. Et Bob, arrête tes bêtises. Alors, Bob, il va rester avec la tronche de Clovis pendant à peu près un quart d'heure. Hein. T'as combien en intelligence? Attends, je regarde. J'ai 9. 9, donc ça fait 2, 10, 6, oui, même pas une dizaine de minutes, quoi. Ok, et d'ailleurs, Frédéric te prend pour. Pas Frédéric, Thomas te prend pour Clovis. Et alors, Clovis, vous avez fini vos recherches dans la bibliothèque? Ce que vous regardiez tout à l'heure, ça a été fructueux? Bon, je sais pas, j'étais en train de dormir. Il te regarde un petit peu, il hausse le sourcil droit, un petit peu interloqué. Après, vous voyez qu'il a essayé de faire quelque chose à manger, mais là, c'est vraiment les fonds de tiroir, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce qui reste, ça va être frugal, hein, ce soir. Et quelques légumes, mais à part ça, pas grand-chose. Du coup, je vais chercher Clovis dans sa chambre, je frappe doucement à la porte. Quand tu frappes, ouais, quand il entend que c'est toi, il t'ouvre. Mais... Allez, calmez-vous, tout va bien. Je peux vous expliquer ce que vous avez vu. C'était quoi ce tour de magie encore? C'est vous, hein? Vous lui avez jeté un sort, hein? J'aurais bien aimé, mais non, ce n'est pas moi. En revanche, vous connaissez le grand magicien Selmac? Oui, bien sûr, il y a son tombeau dans la ville. Tout le monde le connaît. C'est le héros du Palaiso, c'est le créateur de la ville. Or, nous avons eu l'occasion de faire sa connaissance. Il a été fort gentil avec nous, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez trouvé... vous avez réussi à rapporter les cendres du magicien? Et oui, ses cendres et son héritage. Nous avons trouvé un marteau qui s'appelle Mordant. Katémis a récupéré. Nous avons trouvé un anneau Draconis que Ren a pris. Et puis, moi, une baguette. Bon, je suis tellement pris de coups d'éclair dans la figure que j'ai pas su en savoir plus. Par contre, C'est une baguette magique? Oui. Voulez-vous que j'y jette un coup d'œil? Ah, avec plaisir, parce que moi, j'ai vraiment plus les idées claires avec tout ça. Quand tu lui présentes la baguette, tu vois qu'il se concentre, il tient la baguette dans ses mains. Et il te dit, c'est une baguette de feu très très puissante. Moi, je n'ai pas assez de magie en moi pour m'en servir, mais vous devriez y arriver. Et ça permet, vous voyez, il y a deux extrémités. Si vous utilisez cette extrémité-là, il te montre l'extrémité un peu plus... un peu plus grande que l'autre, vous pouvez envoyer une boule de feu. Mais par contre, de l'autre côté, c'est un rayon de feu beaucoup plus précis, comme si vous envoyez une flèche de feu. Je l'ai identifié dans... Eh ben, dis donc. En fait, ça marche sort de zone d'un côté. Et mono-cible de l'autre. Et de l'autre. T'as pas de munitions, ça marche tout le temps, comme un sort. D'accord. Par contre, si tu fais flèche de feu... tu peux faire un mouvement parce que c'est moins puissant. Par contre, si tu fais la boule de feu,
Ça fait qu'un truc. Tu peux pas utiliser la magie puissante dessus ou magie retardée parce que c'est pas un sort à toi. C'est une baguette. Je te la configurerai après. Donc il te tend ça et dit, en tout cas, c'est un très bel objet. Eh bien, nous avons de quoi vaincre le dragon. Que il ne va rester... quel jour on est il ne restera plus que 7 jours demain. Et vous avez déjà trouvé les cendres de magicien. Il ne reste plus que 3 ingrédients. Et enfin, pour finir dans les objets que Selmak a bien voulu nous laisser, il y a le miroir de tromperie. Et c'est grâce à ça que vous avez vu Bob, puisque c'était Bob, qui a pris votre apparence au moment où vous avez ouvert la porte. Donc n'ayez crainte, il va retrouver son apparence originelle dans quelques minutes, mais il voulait vous faire la blague parce que c'est un grand farce. Eh bien, pensez-vous que ça lui serait une bonne blague si je l'envoyais chercher des provisions dans le jardin avec le basilic ? Oh, mon, ce serait magnifique ! Alors là, Lino, elle est au taquet, elle est prête à aller échafauder un plan avec lui, pas de souci, elle le soutient à fond. Non, mais il est au courant que si j'y vais, il n'y aura plus de jardin d'après. Il y aura un gros boom, il y a un gros nuage de fumée, c'est bon, il n'y a plus de basilic. Et le jardin ? Ah, il n'y a plus de jardin non plus. Et il finit par redescendre, donc Bob, t'as retrouvé ton apparence habituelle. Un peu plus grand, un peu moins roux et un peu moins bégayant. Et un peu plus joli aussi. Et voilà, donc bah, vous vous retrouvez à manger quelques pommes de terre, feuilles de salade et des vieux bouts de pain qui traînaient dans la cuisine. Qu'est-ce que vous faites en sachant que vous n'avez pas dormi la nuit d'avant? Moi je m'écroule, hein, je cherche même pas. J'aurais bien aimé lire un peu plus le livre, mais là, j'en peux plus. Quoi. On dit à Clovis qu'on est content, on a réussi à trouver 2 des 4 composants. Et que maintenant, il ne reste plus que le sang de loup-garou et les larmes de nouveau-né à trouver. Et puis si je glisse en baillant, à Clovis qu'on a trouvé le mausolée de Armand de Lycanis, mais qu'il avait été profané, et que voilà, parce que c'est tout ce qu'elle sait. Quoi ? Vous avez trouvé ? Hein ? Vous avez trouvé quoi ? Le mausolée d'Armand de Lycanis. Ouais. Il est tout blanc. Tu vois Clovis en face de toi, il est blanc à peu près autant que le fantôme que vous avez vu tout à l'heure. Mais après, on l'a trouvé. Voilà, mais Rémi, il sait plus de choses. Ouais, parce qu'il y avait écrit dessus Armand, loup parmi les loups, puisses-tu reposer en paix. Bizarre quand même. Loup parmi les loups quand même. Vous avez fait quoi? Vous avez ouvert la tombe? Qu'est-ce que. Non, elle était déjà ouverte. Elle était déjà ouverte? Ouais, mais personne dedans, plus rien. Tout piqué. Tu vois qu'il te regarde, tu vois le blanc de ses yeux qui révulse et il s'écroule. Oh non ! Oh merde. Ah, je me penche sur lui, j'essaye de lui mettre des petites claques. Allez, Clovis, reprends-toi, je suis fatiguée là. Mais non, mais si tu t'écroules à chaque fois qu'on a besoin de toi, on va pas y arriver. Allez, réveille-toi, je le secoue. Tu finis par lui faire reprendre ses esprits un petit peu. Allez. Il te regarde et... Mais pourquoi vous êtes allé dans cette tombe? Mais vous n'aviez pas le droit d'y aller. Ce n'était pas autorisé. Ouais. Allez, on n'a rien fait. Vous pouvez faire un test de charisme. Tous. Ah oui. Tu vas voir, je vais me chier. Charisme, ouais, c'est mon fort. Oh ouais. Ouais, c'est ça, je m'en doutais. Je savais que j'allais me chier. Plus j'ai dit, moins j'ai bien. Bob, il pète le charisme. Bob, tu sais qu'il a la trouille, mais ça t'étonne pas parce qu'il a la trouille comme d'habitude. Mais là, tu penses qu'il sait quelque chose et qu'il essaye de vous le cacher. Crache le morceau. Tu vois que ça l'a profondément perturbé, cet Armand de Lycanis. Et il y avait quelque chose dans la tombe, vous avez trouvé. Et tu vois Bob qu'avec ses mains, il fait comme si... T'as l'impression, c'est dans sa tête comme s'il avait un objet. Tu vois qu'il mime un espèce d'objet cylindrique 25 cm. Tu te dis, tu vois, comme s'il l'avait dans ses mains, qu'il l'imaginait dans ses mains. Vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas trouvé un. Il n'y avait pas de cristal? Un cristal noir. Je sais pas, on n'est pas rentré.
Vous avez pris... Un cristal comme celui qu'Athémis a. Quoi? Vous avez pris... Si, on a trouvé un cristal sur Dominia. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, le cristal de Dominia. Bah ouais, c'était un cristal noir celui-là, ou je sais pas quoi, gris, noir. Et vous voyez, il vous regarde et Bob, il dit, Bob, il faut que je vous parle. Et il t'emmène, il te prend par le bras et il t'emmène dans sa chambre. Bob, tu viens avec moi. Allez, Bob, passez-nous. On se douche dans la taverne. Attends, attends. Eh, protégez-vous bien quand même. Je te passe un bidon d'huile. Oh, il a pas besoin, il est jeune et frais. Tu switches avec moi dans la taverne. D'accord. Je crois qu'ils vont passer une bonne nuit. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Attends, je suis dégoûtée parce que j'ai quand même 22 en charisme et j'ai fait 6. Hein. Ouais, bah, faut pas toujours être tiré. Hein. C'est écœurant. Ouais, mais t'as fait 2 sur le dé alors. Bah ouais, mais c'est juste. Athémis, elle fait 20 quand même. Hein. Elle est pas si loin. Attends, mais je comprends pas pourquoi je me paye la foudre à chaque fois. C'est chiant. Ouais, j'ai demandé à Clovis de me faire un paratonnerre. Surtout alors, que sur le jet de dé, en fait, c'était Bob qui avait fait plus bas que toi. C'est vraiment. Bah, oui. Elle t'a ciblé. C'est... Ouais, je sais pas comment elle fait son truc. J'avais fait. Ouais, j'avais fait un bon jet. J'avais fait 20. Et, ouais. Et malgré mon 20, bah. Pff, allez, hop, c'était volontaire, c'était volontaire. Ouais. Il y a du ciblage volontaire. C'est ça. Bravo, ça fait 4 points de vie, mine de rien. J'ai que 15 points de vie. Hein. C'est de la vengeance. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. J'ai rien fait. Bon, on a bien travaillé quand même. Ouais. Ouais. À mon avis, là, les... Ouais, et puis là, les XP, là. On va être niveau 8. Alors. C'est quoi ça? Ah, mais j'ai une dague. Oh. J'y pense. Oui, j'ai 2 dagues. Ouais, peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on revende du matos, mais bon, là, pour l'instant. On peut pas. Alors, bout de feu, plus 2 en attaque magique, 2 sorts de feu au choix, boule de feu à 4d6. Boule de feu, oh, ah. C'est bien ça. 4d6 en zone, bah, disons. Ou une flèche de feu à 2d6 en mouvement. Bah c'est bien au moins pouvoir balancer les trucs de loin. Ça sert toujours. Ça avec mon attaque de sous-tension, ça me fait deux sorts magiques offensifs. Putain, c'est long, hein. Je pense qu'il prend du bon temps le Bob là. C'est marrant parce qu'ils sont foutus dans la taverne plutôt que dans la partie private. Je reviens deux secondes. Bon, en tout cas, on se débrouille plutôt bien. Oui. La 4. Sans Gorok, notre force de frappe, on se débrouille bien, je trouve. Oh. Donc voilà. Vous voyez Bob qui descend avec Clovis qui le suit en jetant des regards un petit peu furtifs sur Bob. Alors, heureux. Et je te coupe la parole tout de suite et je fais Thomas, Frédéric,
est-ce que vous pouvez quitter la salle, s'il vous plaît? Ouais, ils te regardent un peu, et puis bon, ils haussent les épaules, et puis bon, bah, on va se reposer, nous, hein. Alors, la virginité, elle est finie? Je braque mon arme sur toi. Ah si. Bon, si t'arrêtes de braquer ce truc sur moi, ouais. Alors, on va faire simple. Je vous présente Armand de Nicalis. Et je pointe Clovic. Ouais, comment ça? Donc, en gros, comment dire, le cristal qu'on a récupéré, c'est la part sombre de Clovic. Sa part loup-garou. Enfin, c'est un loup-garou, en fait. Par contre, attends 2 minutes, parce que Zahel est pas là. Ah. Zahel, bordel! Elle est partie faire pipi, on là! On a senti une odeur bizarre. Ah, toi, une elle est partie faire pipi dans le puits, là, en tant qu'elle arrive pour arroser l'élémentaire. Elle arrive. Ok. Pendant que Bob parle, vous voyez Clovic qui s'est assis au fond de la pièce. Il se tient les mains l'une dans l'autre. Il a l'air. Ouais, vous savez pas s'il est penaud ou. Il est en PLS. Bah après, c'est souvent son habitude. Mais là, vous voyez que vraiment, c'est pire que d'habitude, quoi. Bon, j'arrive, je vais aller voir ce qui se passe. Ouais, on va. Le temps qu'il revienne, je pense qu'elle va bien réagir. Oui, je pense qu'aussi elle va bien. Vous vous attendiez pas à celle-là, hein? Ah non. Et attends, il a pas fini de tout vous raconter, Bob, ça va être encore mieux. Ah ouais, oh purée. Ça promet d'être marrant. On croyait que vous aviez fait des choses physiques, nous. Bah, techniquement, je lui ai foutu une baffe. Ah bon? Parce que moi, il fait. C'est, en fait, Armand Licani, c'est moi. Moi, je suis. T'es mort? Tu sais, je pose ma main sur sa joue et je lui fous une grosse torgnole. Ah bah non, t'es bien physique. Et après, il a commencé à lui raconter qu'il n'était pas, qu'il était pas comme les autres et tout. Donc, il y a eu un petit mouvement de flottement, c'est ça? Mais après... Ah oui, j'ai fait. Oui, j'avais fait. Bon, écoute, je ne sais pas quel genre tu es, mais moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Oui, mais je ne suis pas comme les autres. On va faire attention. Ah, il a tenté quand même, hein, une petite approche. Il a vu que tu étais le plus open de nous quatre. Il te manque. Comment dire? T'as un mauvais chromosome. Bon bah. Ah, je me craque le dos. Je crois qu'Ino est tombé dans la cuvette. À moins qu'elle s'est encore prise de la foudre. Ah, peut-être qu'elle s'est électrifiée, puis... Non, mais il y a des gens qui n'ont pas de chance, quand même. Moi, je dis, c'est pas possible. C'est que les dés, hein. Moi, j'y peux rien. Moi, j'accuse que les dés soient, comment dire, truqués. Pipés. Ben, c'est Fantasy Crown, là. Avoue que tu jubiles à l'idée de électrocuter. Ah ouais, je pense que... Ouais. Alors, je pense que... Attends, le taux de mortalité d'Ino est quand même assez effarant. Il faudra faire quelque chose, hein, quand même. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi, je trouve qu'elle meurt bien, quand même. Heureusement qu'il y a Thémis, hein, parce que sinon... Voilà, ce serait compliqué. Ça, elle aurait pu changer 4 fois de perso, hein, déjà. Ouais. La prochaine fois, elle va prendre une naine avec 50 points de vie. Non, je ne prendrai pas une naine. Non, mais dis donc. Oh. Ouais. Jamais. Ouais. Bon alors. Non, je sais pas si. Allez, on reprend. Alors, pour Zahel, pour faire simple, je suis de retour avec Clovic. J'ai demandé aux deux gardes de partir. Ok. Et je fais en pointant Clovic. Je vous dis à tous. Je vous présente Armand de Licanis. Je le regarde. Hein? Moi aussi, j'ai des gros. Non. Elle s'approche, elle le regarde sous toutes les coutures, enfin, modérément, bien sûr. C'est pas possible. Et moi, je sais, mais comment ça se fait qu'il y a ton tombeau, là, alors que t'es là? C'est un loup-garou? Non. Pour vous faire simple, alors, d'après ce que notre cher Armand nous a expliqué, avant, oui, effectivement, c'était un loup-garou. Enfin, c'était toujours techniquement un loup-garou, mais il se transformait avant.
Mais grâce à son maître Rubius, il a, comment dire, son maître Rubius a réussi à emprisonner sa part sombre afin de le sauver. Et cette part sombre, c'est justement ce petit cristal noir que nous possédons tous. Donc encore aujourd'hui, ça explique pourquoi notre cher Armand ne se transforme plus. Ah. Et qu'il est donc sauvé de cette folie meurtrière. D'accord. Sauf que, vous savez tous qu'il nous faut, il nous faudra à un moment ou à un autre du sang de loup-garou. Bah ouais, donc ça veut dire qu'il faut qu'il redevienne loup-garou et qu'on le saigne, quoi. Non, il n'est pas question que je revienne loup-garou. Je vous laisse, je vous laisse vous servir. Servez-vous du cristal comme vous voulez. Il n'est pas question que je redevienne un loup-garou. J'ai mis suffisamment longtemps, j'ai souffert pour me débarrasser de cette part-là qui était en moi. Jamais je ne redeviendrai loup-garou. Dis donc, le magicien, là, c'est toi qui dois protéger ta ville, là. Ce serait peut-être bien que tu te sacrifies pour elle. Hein. Non, mais oh. Alors, après, c'est qu'une supposition, mais... Il n'est pas impossible qu'en brisant ce cristal, cette part démoniaque de loup-garou se transmette à quelqu'un, pas forcément à son détenteur originel. Ouais. En gros, si on brise ce cristal, on peut devenir un loup-garou. Ah bon. Aisément. Ça, de toute façon, c'est une piste. N'importe qui peut devenir loup-garou ? Bah, apparemment. Après, on sait, même Clovic ne sait pas comment ça fonctionne. C'est qu'une supposition à ce stade. Je pense que mon maître a écrit des notes dans un de ses livres de la bibliothèque. Mais la part du loup-garou est contenue dans le cristal. Ils ont fait des révélations ce soir. Ouais, bah ouais. Et pourquoi Clovic, du coup ? C'est quoi ce nom ? C'est le nom que j'ai choisi après avoir tué ma part sombre. Bah, Armand, c'est mieux. Bah, Armand, ouais, c'est plus sympa. Parce que Clovic, ça fait un peu ancien. Ça, un peu ça gaulois. Je vous ai pas dit que... Avec gaulois. Je ne peux pas me servir du nom d'Armand. Sinon, mon père, le baron Léon de Lycanis, m'aurait retrouvé. Ouais, ok, d'accord. C'est un nom trop connu pour que je m'en serve. Je ne m'en servirai plus jamais. Ouais, t'es le fils du baron. Ouais. Eh ben. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on dorme. Ouais, bah déjà, on va dormir et réfléchir à tout ça. Et étudier ces bouquins demain. Et puis demain, si on n'a pas de solution, je te préviens, Armand Clovic, là. Hein, on va finir par redevenir un loup-garou. Hein. Parce que nous, on veut se barrer ici. Oui. Et puis on va bien trouver une solution alternative quand même. On va devoir retourner au marais en plus. Ah, sinon, Ino, je te vois bien devenir loup-garou. Mais j'y ai pensé. Ouais. Loup-garou électrique. Ah, c'est vraiment un Pikachu. Loup électrique. Voilà. Bon, on va faire dodo. Voilà, on va faire dodo. Voilà. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là sur cette révélation fracassante. Oui, après, si vous faites des recherches à la bibliothèque, vous en saurez plus, y compris sur ce qui vous arrivera si vous souhaitez vous-même vous transformer en loup-garou ou pas, pour peser le pour et le contre. C'est une voie de prestige, éventuellement. Ah oui, bah alors moi, c'est non. J'ai ma voie de prestige, j'ai déjà choisi. Après, ça a des avantages et des inconvénients. Mais c'est une possibilité s'il y en a un de vous qui avait envie de se sacrifier. Ça n'empêchera pas de jouer, je veux dire, hein, mais ça sera un peu particulier. Je veux faire mes shrapnels. Tu veux mettre le truc du loup-garou pour voir ce que ça donne. Alors. J'ai déjà la mèche blanche, alors. C'est bon, je peux me transformer.